Bienvenue sur Kian FM. Nous passons un très bon moment. Bienvenue à tous, bienvenue dans Un Bon Moment, et aujourd'hui je suis accompagné de mon éternel fidèle compagnon, Natou. Navo, comment ça va? T'as une belle énergie. Yes, la cocaïne, les gars, croyant ça. Il y a un lien avec un code en dessous de la vidéo, achetez Kian20. Je suis accompagné, arrête de niquer mes cheveux zodiaques depuis tout à l'heure. Ça va, c'est des jouets. Non, oh, c'est que des jouets, d'accord. Hey, qu'est-ce que tu fais? T'aimes bien danser? On peut lui enlever son casque? Bien au PLS. Je ne me rends pas compte, c'est mon jouet. Oh non, la corne est partie. C'est pas grave, c'est non, rien. Tout va bien, Kian. C'est pas grave, c'est juste un jouet. C'est bon, c'est qu'un jouet après tout. Elle est remise, la corne est là. C'est pas, elle est remise. La corne, je te jure, regarde. Tu veux toucher pour voir? Non, je te fais confiance. Oui, tu peux, regarde, je n'abîmerai jamais tes petits. Je ressens de la peine. C'est normal. De toute façon, c'est quoi? C'est normal parce que tu as eu peur, Kian. C'est 400, 500 euros, elle te le rembourse si elle l'abîme. Quoi? Alors attendez, moi, faut que je le file. Je suis accompagné aujourd'hui de Natou, Audrey, Pierrot et Cathy. Bonjour. Auto-applaudissement. Excusez-moi, attends, parce que... non, attendez, déjà, il y a mes prises sur mon identité. Je suis Jamie Rockway. Ah, dès qu'il n'y a pas le chapeau. Parce que je n'avais pas mon chapeau, c'est pour ça. Dès que t'enlèves le chapeau. I'm not a beat the fun forever. Il pourrait faire ça, les gens diraient que c'est stylé. Voilà. Regardez, il a un putain de petit marron sur la tête. Il n'y a que lui pour faire ça. Bon, c'est mort, 400 balles, laisse tomber. Allez, non, non, arrête, s'il te plaît, arrête. Non, écoutez, je crois qu'il faut lui rendre sa liberté aussi. Tu vois, tu t'accroches à eux, mais il faut se séparer mais là, à un moment. Tu vas enlever faut... son slip, tu vois. Sa jupe. Bon, il est en ligue, il arrête. Il faut que ça respire un peu. C'est vrai, ça aère. Je suis allé faire un tour un peu sur vos Instagram respectifs. Je suis allé un peu voir votre actualité. T'as Instagram, toi? Oh, j'ai le logiciel Instagram. J'ai installé moi-même ce truc via la plateforme Apple Store. Et je suis allé voir, on va commencer par Natou. Natou, c'est quoi ça? Une photo dans l'eau. C'est beauté. Raconte-nous, c'est ah, quoi, c'est une beauté. Qu'est-ce que c'est, ça? Comme une sorte de sachet de thé qui se glisse dans l'eau comme ça. C'est ça. En fait, c'était dans ce chaudron. On avait shooté, je me rappelle, c'était la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est? Et ben, en fait, c'est assez improbable parce que la photographe est une fille avec qui j'étais au lycée, en terminale. Qui s'appelle comment? Elle s'appelle Émilie Zangarelli aujourd'hui. Ouais. Alors qu'avant, c'était Greuet. Mais je pense qu'elle s'est mariée. Ok. Et en fait, elle est devenue photographe. Et elle m'a retrouvée sur Facebook. Elle m'a proposé ce shooting. J'ai regardé ce qu'elle faisait. Et normalement, elle fait que des photos de grossesse ou avec des bébés, enfin, en famille. Et elle voulait sortir un peu de tout ça. Elle m'a dit, ça te dirait de faire des photos sous l'eau, parce que c'est sa spécialité. Et j'ai dit oui. Et c'était fou. Puis j'ai proposé ça à mon amie Amy LTR, créatrice de qui a une chaîne vidéo. YouTube, qui a une très belle chaîne YouTube, ouais, plein de courts-métrages, super. Génial. Et on a passé donc la journée 6 heures dans une piscine, il y avait un espèce de bassin qui fait 21 mètres de profondeur pour faire de la plongée. Votre peau ressemblait à du papier frippé en sortant. C'est terrible, c'est très très angoissant. 6 heures dans une piscine, c'est beaucoup. C'est angoissant parce que t'as ta robe, déjà ça te fait du poids, donc moi quand je faisais un petit mouvement de bras pour descendre, en fait je descendais de 5 mètres. Et pour remonter, là, c'est l'angoisse totale, t'as tes jambes qui s'en mêlent dans ta robe. T'as pas peur d'être noyée? J'ai failli crever, mais j'ai eu la photo. Ça valait... Non, parce que en fait, quand on se dit ça, putain, ça c'est vraiment la photo Instagram pure. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet Instagram de compétition? Ah ouais. Non, c'est les plus belles mais photos. Mais t'as vu j'ai... les autres parce qu'elles sont toutes belles. Hein. Oui. Il n'y en a pas une à jeter. Ouais, j'en ai vu d'autres. Ouais, c'est magnifique. C'est après, très, très t'en fais 50 pour en avoir une de bien. Parce que ton visage est déformé dans l'eau. Tu sais, même tes muscles, quand tu les agites, t'as des creux, des trous. C'est très étrange. Vous êtes surmaquillée, non? Pour ouais. que ça tienne sous l'eau. Non, ouais. Il y a une couche de vernis pour que ça tienne. Ou... C'est ça. C'était non, le visage était laqué. Hyper, hyper, hyper réussi. On passe à Audrey Pierrot. Audrey Pierrot, c'est moi. Je suis allée voir un peu tes photos. Alors, moi, sur Instagram, mais je suis vraiment la avec pire. Hein. Émilie LTR, ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Un girls band. Là, c'est marqué, la danse, ouais. C'est vachement bien. C'est pas du tout ce qui est écrit. Mais la danse, c'est fondamental. La danse, c'est fondamental. Il y a deux choses avec lesquelles je rigole pas. Le fait de pas rigoler avec certaines choses et la danse. La danse, ah mon Dieu. Mais c'est quoi ça? Vous étiez en Suisse? Alors, on est en Suisse, au Royaume du Web. Le Royaume du Web, c'est un événement, on invite un peu des non, des, c'est un endroit, ça y est, ils viennent de le créer. Oui, ça. Oh, putain, on y vit à l'année. Ouais. Il y a un prince, il y a un roi et ouais. tout. Ça oui, oui. Il faut avoir plus de 10 millions de vues, tu peux rentrer, tu as un passeport, tu peux aller au Royaume du Web. Chaque vue est une monnaie. Et tu as une toute petite couronne. Tu transformes tes vues en monnaie.
Voilà. C'est Squeezie qui règne. Putain, c'est Black Mirror, le truc. Et en fait, il y a une, dans le royaume du web, il y a une activité qui est la silent party, où en fait, on te met les gens ont des casques, choisissent le canal sur lequel ils veulent être, et chaque personne qui est là met la musique qu'il veut. T'as trois youtubeurs, voilà. Ouais. Et moi, j'étais avec Amy, on était en duo. Ah, pardon, t'as trois youtubeurs, c'est-à-dire qui mixent. Ah, ouais. Qui mixent, ok. Ouais, pardon, j'ai mal expliqué. Et t'as toute une audience avec des casques, et tu choisis qui tu veux écouter. Et ouais, tu le vois avec la couleur. Chacun, ouais, en fait, c'est comme... C'est vrai que Nat explique mieux. Oui, non, c'est vrai, c'était plus clair. Je vais vous donner un exemple, c'est très, très simple. Par exemple, quand il y avait Squeezie qui mixait, et moi à côté, et que Squeezie avait la couleur bleue, tous les casques étaient bleus. Il y avait genre trois rouges. Et ça, c'était terrible pour tout le monde. Dès que Lucas arrivait... Et tes deux chiens. Il mettait sa musique phare. Alors, qu'est-ce que tu veux y faire? Les gens sont complètement Mirador. Hystériques. Bah oui, alors bon, tu peux pas lutter contre Mirador ou contre... C'est quoi le titre du sien, exactement? Je sais pas, à un moment donné, il faut faire du sale. Non, si tu fais du sale, ouais, je te dis bye-bye. Je te dis bye-bye, voilà. Oui, et donc, voilà. Et donc, on dansait. Et j'ai passion danse. Et voilà, je me suis donnée à cœur joie. Et donc c'était ça. Accord, joie. Et ça se passe bien. J'ai beaucoup entendu parler de cet événement royaume du web, comme quoi ça se passait super bien, comme quoi c'était vraiment un truc où les gens étaient bien accueillis. Mais c'est vrai que c'est bon. On a eu l'exemple de Video City qui avait lieu il y a quelques années, où c'était vraiment l'usine. Les gens venaient et tu faisais juste des selfies, quoi. Tu faisais la file d'attente pour faire des selfies dans un box. C'était très étrange. Tu l'as connu, ça? Ouais. Horrible. Et du coup là, c'est un peu plus. C'est plus perso. C'est plus. Oui, cool, t'as des ateliers assez différents. En fait, tu peux avoir la surprise de te retrouver avec un de tes youtubeurs préférés dans un atelier, une structure gonflable. Ah voilà, oui. Y a ça. Ça, c'était drôle. Oui, donc t'as ça, après t'as la silent party, t'as des spectacles sur scène, enfin, il y a plein de choses différentes. Ouais. C'était cool. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Ça, c'est... Bon, même pour nous, moi, en fait, de notre côté à nous, c'était quand j'avais vu justement des vidéos un peu d'événements de gens qui viennent de YouTube et tout, je me dis, c'est toujours, ouais, c'est un peu, c'est fatigant, quoi, parce que moi, j'ai fait des dédicaces, genre, tu vas vite, ça va vite, t'as pas le temps de kiffer avec les gens, en fait. Et je me dis, Royaume du Web, enfin un truc, tu vois, où ils ont organisé le truc pour que les gens, même les gens qui viennent, kiffent, tu vois, c'est pas que... T'es en petit groupe, il y a plein de moments où ils se retrouvent juste à 7 personnes ou 10 personnes, tu vois, qui vont faire une activité, donc au final, t'es pas complètement assiégé par les gens, et eux ont un moment avec toi. Le seul truc, si tu veux, c'est que c'est comme partout, quand tu t'arrives dans les meet-up et qu'il y a plein de gens, si toi t'arrives et que t'es un peu hystérique, et ben les gens, ils vont être encore plus hystériques. Moi, j'avais vraiment cette... je leur demandais un peu de calme. Et on va passer un bon moment tous ensemble. Et vraiment, en fait, si t'arrives, toi, un peu apaisé, les gens sont... Il n'y a pas d'hystérie collective. Donc ça, c'est plutôt cool. Audrey proposait des ateliers sophrologie, je crois. Ouais. On a fait du yoga. Avec les rênes. On a fait des gâteaux. Ouais. Et du reiki aussi. Ouais. Gémologie, tout ça. Cathy, je voulais aller sur ton Instagram, mais ton Instagram est privé. C'est exact. Aïe, aïe, aïe. Et Cathy, j'aimerais qu'on présente un peu Cathy qui est à table avec nous. Cathy. Parce qu'on vous connaît à travers un peu vos vidéos sur Internet, des courts-métrages que vous faites et tout, mais on ne connaît pas encore Cathy. Alors, Cathy. Mais on ne la connaîtra pas, en fait. Cathy, on ne connaît pas Cathy. Bon, alors, moi, je suis moto-taxi à la base, hein, donc. T'as déposé Audrey. On s'est dit, cette meuf est trop marrante, il faut qu'elle vienne parler. J'ai déposé Audrey et je suis animal de compagnie aussi, un petit peu, voilà. Elle garde souvent Kitty et Lola, qui sont mes chiennes. T'as gardé Ness aussi, ma chienne, à chaque fois. Oui, je suis dog-sitter du coup. C'est vrai que c'est mais c'est toujours kiffant. Moi, je voulais vraiment, ça me fait kiffer que tu sois à table avec nous. Merci d'être là. Je suis encore continué sur vos Instagram. Mais où as-tu rencontré Cathy? Explique-nous. Mais j'ai rencontré Cathy dans une maison du bonheur. Une maison du bonheur qui appartient à la propriétaire. Anne Châtelaine, je crois. Natalie Odierski. Non, c'était cool. C'était dans ta maison de campagne et on s'est rencontrés. On a passé un week-end là-bas. C'est vrai que j'étais méga fatigué et ça m'avait fait cette sensation. On est allé un dimanche. On avait regardé Canal+ à 14h. C'était comme quand on était gamin, tu vois, Poulpe Vision. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez regardé Poulpe Vision, quoi. Grave. Non, mais c'est surtout. On va y arriver. Ouais. Non, mais c'est surtout que quand il est arrivé, on a cru que c'était un voleur. Ah oui, c'est ça, parce que tu m'as dit. Tu te rappelles pas? Quoi? Quand il est arrivé à la maison, il a ouvert la porte sans prévenir qu'il arrivait. Non. Alors j'explique. Et il était à poil. Moi, ça l'a fait. Coucou. Il avait un bonnet. Bonjour, on est deux. Je sors de mon spectacle à l'Européen et je me dis, bon, vas-y, j'envoie un message à Natou. Je fais, bon, je passe. Elle me dit, ok, je prends la voiture, j'arrive. Et vraiment, c'est l'hiver, quoi. Enfin, j'ai ma capuche et tout. Et j'étais déjà venu. Tu m'as dit, entre. J'ouvre le portail, je rentre. Et il y a deux meufs dans un salon comme ça. Il est 3h30 du matin en train de boire du thé. Et j'arrive, je fais, bonsoir. Elles ont fait genre, en plus, putain, sa mère, j'ai eu peur. En plus, tu voulais lui offrir un couteau de cuisine que je voulais t'offrir à l'époque.
Et donc ça dit, t'en as pas dans ta maison. Surprise. Avec une capuche et tout. Cauchemar. Mais c'était cool. Et comme tu savais pas où t'étais, où était l'interrupteur, tu t'éclairais avec le. Mais c'est ça exactement. Cherchais le code. Non, mais il arrivait avec un bonnet. Un bonnet noir, il avec était en trous noir. Au niveau des yeux, parce que y a des, t'as des mites en ce moment dans ton armoire. Et malheureusement, elles avaient rongé juste là. Ouais, et je m'étais pété la gueule dans l'allée, donc j'étais en sang sur tout le bras gauche. Donc c'était horrible, ça coulait par terre. Il y avait mon chien qui est aspergé de sang, qui avait du sang plein la bouche. Bon, c'est vrai que c'était pas la meilleure des entrées, mais c'était kiffant. Ouais. C'est très kiffant. Ouais, t'as créé un lieu incroyable, je trouve. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu cette la maison du bonheur. C'est la maison Babylone. Des... C'est le mot de passe Wi-Fi. Si vous venez un jour, c'est Babylone. C'est le Burning Man en maison. Et c'est maison. Drôle. Non, mais je voulais une maison de campagne où les gens viennent. J'ai acheté une très grande maison avec beaucoup de chambres qui me sert à rien si j'étais toute seule et que j'avais pas d'amis. Donc, je veux en faire profiter tous mes potes. Donc, il y a du squat tous les week-ends. Kiffant. Et on joue de la musique, on fait des peintures. Et on fait à manger. On fait toutes sortes d'activités. Oui. L'été, si vous venez, vous avez cours d'aquagym. C'est vrai. Il y a deux cours animés d'aquagym. Animés par Audrey et moi-même. Oui. Alors ça, c'est plutôt sympa. L'aquabike, il y a ce qu'il y a aquabike. Pas encore. On met les vélos dans la piscine on et on pédale. Encore, mais... Bientôt, doucement. Déjà, on est sur un. Non, mais c'est la vraie maison du bonheur. Je te dis, ça m'a fait kiffer. Et puis c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir de retrouver cette sensation du dimanche. C'est là où on a mangé, on digère, canapé, on regarde Canal et on kiffe. Mais tu sais, je vais dire, c'est rare les maisons dans lesquelles tu es invité et tu ne te sens pas invité, mais quasi chez toi. C'est et vrai. Bah, c'est chez vrai. Nat. C'est vrai. Voilà, c'est Babylone. C'est vrai. C'est kiffant. C'est vraiment très image. C'est kiffant. Cool. Genre, bah ouais, viens, passe, c'est cool. C'est aussi ma maison fin du monde. Hein. S'il y a fin du monde, je vais me tu veux dire là-bas. Post-apocalypse c'est oui, vrai c'est ça. J'avoue, c'est très stylé. On continue, je savais pas encore faire un tour sur nos Instagram. Nathalie, c'est quoi ça? Natou! Jonathan Cohen m'a raconté une histoire, elle est incroyable. Ok, mais après je te raconte mon histoire, c'est celle de Fianso, et franchement c'est un truc de dingue. D'accord. Qu'est-ce que alors c'est que cette histoire ? Est-ce qu'on peut en parler un peu plus, tout ça ? Tout à fait, c'est un programme, donc là c'est une bande-annonce pour bande-annonce un programme. Avec Ludovic, McFly, Carlito, il y a du name-dropping partout dans Norman, les messages. Cyprien, voilà. Plein de petits guests qui sont cités. En fait c'est un programme. Jonathan Cohen nous en a parlé hier un peu. Ah oui ? Il nous a dit, ouais j'ai fait un truc avec Natou. Oui c'est vrai. C'est ça ? Oh, mais ça spoil ! En fait, oui, c'est un programme pour Amazon Prime qui consiste en fait à inviter donc des guests de talent et chaque guest va raconter une histoire folle qui lui est arrivée. Donc évidemment que l'histoire de Jonathan Cohen est, enfin, on dirait un film. Alors, on va arrêter de dire les histoires de Jonathan Cohen. Oui, Jonathan Cohen. On va préciser quand c'est pas fou, en fait. On va juste préciser quand c'est pas fou. Oui, c'est vrai. Ah, cette fois-ci, c'était pas. Ouais, pas ouf. Ouais. Ah putain, c'est normal. Là, c'est surprenant, tu vois. Incroyable. Et donc du coup, au fur et à mesure où l'invité raconte son histoire, c'est illustré à la manière d'un court-métrage. D'accord. Donc t'as des comédiens qui vont interpréter l'anecdote. Et nous, notre rôle d'intervieweur, j'étais avec Ludovic en binôme, c'est de poser des questions pour avoir plus de détails, plus de comment tu te sentais à ce moment-là, comment il était habillé, et comme ça, à chaque fois, ça peut changer. Et là, pour le coup, c'est pas une histoire où Mel Gibson est déshabillé. Le spoiler. Trop. En tout cas, non, mais je trouve Mel. Que c'est un bon pitch. Attends, ouais, Mel Gibson, faut que je regarde cette émission, c'est obligé. Tout à fait. Et en deuxième invité, nous avions le rappeur Fianso. Je ne connaissais pas très bien et pourtant fort sympathique. Et non, mais c'était bien tourné, c'était kiffant à tourner. C'était dans un décor fou, c'était le repère des communistes. Ah oui, le fameux bunker là, oui. C'est magnifique ça. Incroyable, c'est sublime. Un vaisseau spatial. Ah, c'est sublime. Donc ça, c'est le plateau d'interview qui est fou. Et apparemment, bon, là, ils sont en train de préparer la fiction qu'on va tourner, je crois, en février. Ce sera vous dans la fiction ? Vous jouez dans la fiction ? Alors on hésite, est-ce que c'est logique qu'on soit dans l'histoire que j'avoue, la personne... Ouais. Je pense qu'on sera dans les interviews des autres personnes. J'ai continué à aller sur vos Insta. T'as rien branlé quoi, juste à traîner sur la... Oui, c'est clair. T'as scrollé toute alors, la journée que ou quoi que ça c'est bah, du travail ça. Je fais comme tout le monde, je vais sur Insta et puis je vis ma vie sur, en regardant la vie des gens ouais, qui vrai. Eux vivent leur vie en regardant en montrant vie leur gens. Vie aux gens. La vie sur la vie des gens. Mmh. Putain, c'est rien. La vie que les gens laissent sur c'est leur beau. Vie. On parlait d'actorat et moi je trouve que c'est méga bien ce que tu fais dans Poulpovision, ah, c'est merci. Cette ah. photo mmh. ah ouais. qu'on a vue et d'ailleurs c'est méga bien joué. Et tu t'en merci. Sors méga méga bien. C'est de l'impro. Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi alors, ouais. Après, je sais pas si vous êtes exactement le même âge, mais méga bien, ça veut dire que c'est super. C'est yo-yo. C'est un peu comme giga cool c'est ou pas tip-top. Ouais, exactement, voilà. Ouais, ouais. On a tellement le même âge et vous savez très ouais, bien ce que ça veut ouais, dire. Ouais. D'ailleurs, à la base, ça devait s'appeler une émission méga bien. Un méga bon moment. Un méga bon moment. Explique-moi parce que c'est ça. C'est bat. J'ai fait partie de l'équipe de Poulpovision avec donc Monsieur Poulpe. Et aux visions. Et en fait, on est une troupe de comédiens qui accueillons un invité et on lui fait partager plusieurs plateaux télé qui regroupent un peu une grille de programmes. Mmh. Et c'est en impro pour l'invité, c'est en impro pour Poulpe aussi,
Et pour nous, c'est mis en impro, mis avec quand même un texte à respecter pour qu'on guide quand même un peu toute cette histoire. C'est la chose la plus difficile qui m'a été donnée de faire. Tu t'en sors super bien, vraiment, parce que vraiment, on se dit, putain, elle est faite pour ça, quoi. Ah bah merci. On en a fait une ensemble, qui est diffusée, c'est d'ailleurs. C'est drôle, elle était drôle. Canal, allez la voir, ouais, si vous voulez. C'était très cool. Ouais, c'était vraiment kiffant. Ouais. C'est parti en roulage de pelle assez intensif avec Poulpe. C'était génial. Ouais, c'était kiffant. Et donc voilà, donc j'ai adoré faire ces émissions. Tu vas en faire d'autres pour l'instant, on ne sait pas trop. Pour le moment, on ne sait pas trop. A priori, là en tout cas, la première saison est finie. Et on verra si tout le monde a envie de faire une prochaine saison. Nimpo, il fait toujours des super concepts comme ça. Ouais. C'était vraiment cool, crac-crac, c'était chambé. Et là, il ressort un nouveau concept. Et à chaque fois, il s'en sort vraiment, vraiment, il sort un truc. Tu dis, putain, c'est nouveau, quoi, ça fait du bien. Ouais, vraiment. Des recettes pompettes jusqu'à ça. À chaque fois, il a toujours sorti un nouveau truc à la télé. Je trouve que c'est bien que Canal, justement, et j'espère que les gens trouvent ça beau. Parce que moi, je sais que quand je suis arrivée sur le plateau, il y a un travail de décor qui est fou. Les décors ont été faits par les personnes qui travaillent aussi sur les décors de l'Opéra de Paris, par exemple. Mm-hmm. Les décors sont fous. Enfin, je trouve qu'en plus, c'est bien. Ça se veut quand même un peu malin et rigolo. Et c'est très beau, esthétiquement. Voilà. C'est super. Et c'est très bien filmé. C'est très bien filmé. Des belles caméras de cinéma. Et c'est bien étalonné aussi. C'est vrai que c'est bien étalonné. Est-ce que c'est bien mixé? Est-ce que c'est bien mixé? Je trouve. En tant que DJ, ma transition est toute faite, parce que là, tu jouais une sorcière, c'est ça? Ah ouais. Qui entendait des voix, c'est ça? Qui était la prêtresse des drindons. Mi-dragon, mi-dindon. Il y avait un putain de dindon sur la plateau. Il y avait trois dindons derrière moi. C'est hyper, c'est terrifiant, ces trucs-là. C'est en plus vraiment hyper impressionnant. Je pensais pas être impressionnée par des dindons. Et ben, c'est vraiment possible. Parce que déjà, ça fait un bruit incroyable. On connaît très peu le bruit des dindons, finalement. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ça crie, va te faire enculer en permanence. C'est hyper bizarre. Je pourrais pas. C'est vraiment trop curieux. Et petit truc un peu rigolo, c'est que, tu sais, dans ces moments-là où t'es en insécurité partout, tu regardes, enfin, moi, je regarde un peu les détails. Et le dindon, en arrivant sur scène, a fait un énorme caca. Énorme caca. Et moi, dans ma tête, je ne pensais plus qu'à ça et j'étais là genre... Bon, on doit tout arrêter l'émission. Le dindon a chié sur le plateau. Et tout le monde est là genre, continue. Et voilà, continue, et non, on a continué. Évidemment. Ton anecdote du caca de dindon me fait rebondir sur un autre truc. C'était à Cannes Série. Donc c'était C'était l'année dernière. C'est pas Poulpe qui a eu un caca. Mais oui. Mais oui, de ouf. Poulpe était présentateur donc de la cérémonie Cannes Série, donc à Cannes autour des séries. Il est MC, quoi. Et donc il a fait son arrivée dans le thème Game of Thrones. Je l'ai bien prononcé. Mais formidable. Moi, j'ai trouvé si c'est le truc de la série, quoi. C'est impressionnant. Oui. Je pense que c'était le générique de la série, mais en fait, c'est toi qui as parlé. Oui. C'est incroyable. Ah, ok. Incroyable. Putain. Et du coup, pour faire cette entrée, il est arrivé à dos de cheval, qui a immédiatement chié sur scène. Bonsoir. La série, ce kaléidoscope de talent, où les 1000 reflets de nos vies s'expriment à travers le... Et dans la continuité du truc, de l'entrée, il y a des danseurs qui débarquent et qui se mettent à danser. Et tu sur les vois, caca. Ils sont genre je danse, mais en même temps, il y a des petits regards pour bien voir, pour ne pas piétiner, danser dans la merde. Et évidemment que tout le monde est concentré juste sur ça et on ne regarde plus du tout ce qui se passe ailleurs. Bah non. Une merde. Et les garçons, on fait une battle de breakdance. Ok, j'y vais, ouais, y'a du caca, ok, j'y vais. Non mais toi, vas-y. Vas-y. Passe sur le caca, s'il te plaît. Oh ! Oh ! Il a tout cassé ! Bon, 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 bon ! Ah oui, ça, oui, c'est tout le monde projette son attention dessus. Ah, mais c'est sûr, le cheval a dû arriver, il a vu 3000 personnes dans le palais de Cannes, il a dit « C'était pas la répète, ça. C'est pas normal oh, !» C'est sûr. Et l'odeur. Après, à chaque fois qu'il y a du caca, il y a Poulpe. Peut-être que c'est Poulpe. Peut-être qu'il met ça sur le dos des animaux. Oui. Juste avant, faites-le un peu bouffer quand même. Tu lui fais des carottes en permanence. Oh non, le cheval a encore fait caca. J'ai envie de parler un peu de paranormal avec vous aujourd'hui. Oh. Est-ce que vous croyez au paranormal? Les esprits, les trucs comme ça. Cathy, tu voulais dire? Oui, je crois un petit peu au paranormal. Mais, non, mais c'est de l'ASMR. Tu crois à l'ASMR de ouf? Un petit peu aussi. En fait, les esprits, c'est juste des gens qui font de l'ASMR depuis bien longtemps. Exactement. C'est genre, on peut allumer la lumière. On l'éteint. Je suis derrière toi. C'est vrai que c'est kiffant. Ouais. C'est vrai que c'est kiffant. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, quand on parle d'esprit, ça devrait être un truc qui ferait. Ah non. Et ben, pour moi, ça devient sexuel. Ah, moi, j'ai entendu. Je suis derrière toi. Ah oui. Oh non. Non mais c'est moi, un truc d'un seul coup qui ferait peur. Non mais justement, moi c'est méga sexuel. Ça m'a pas fait peur. Je trouve ça pas du tout effrayant moi. Ah bon? Bah je suis derrière toi. Mais vous y croyez ou pas? Merde, viens devant en fait. Dans ces cas-là, si t'es honnête.
Vous y croyez? Moi, je suis une sorcière. Bah, moi, des éléments m'y ont fait croire. Ok. Je le dis. Maintenant, je suis très à l'aise avec ça. Comment ça, t'es une sorcière? Mais c'est une sorcière. Il y a quoi? Il y a un sirène. Dans Poulpovision, tu as montré une photo tout à l'heure. C'est ça, c'est de ça dont elle parle. Alors, en plus, c'est assez drôle parce que depuis que je suis très à l'aise avec le fait d'être une sorcière, je ne joue que des sorcières. Mais oui, à chaque fois, on fait jouer. La semaine dernière, on a joué pour The Witcher. Ouais. Tu joues une sorcière? Encore, ouais. J'adore ça. Du coup. Est-ce que tu crois aux sorcières? Est-ce que vous croyez au paranormal? Parce que moi, j'ai eu une expérience au paranormal quand j'avais 15 ans et ça m'avait un peu marqué. Raconte. Bah ouais, on le savait. J'étais en quête d'amitié. J'étais dans un groupe de potes. Attends, comme c'est plus croustillant, est-ce que je peux dire dès l'entrée que j'y crois absolument pas? Mais comme ça, ça crée une dynamique. J'aime vas-y, bien. Vas-y. Alors, est-ce que tu crois, Navo, t'y crois ou pas? Oui. Non, j'y crois pas. Donc, du coup, j'aime bien quand écouter les histoires. Après, dans ma tête, moi, je suis Scully. Je suis là, mais non, voyons, Mulder. Écoute, ça m'avait vachement marqué parce que quand j'avais 15 piges, j'avais un groupe de potes. En fait, c'était rencontré. Déjà. Ça tient pas la route. À Poudlard. On sait que t'avais pas d'amis quand t'avais 15 ans. Sinon, je serais pas devenu humoriste. Voilà. Et d'ailleurs, je te raconte. Après, ça s'est terminé avec ces groupes de potes, mais je te raconterai la fin. Je crois que c'est une fin qui est assez. On pourra le mettre un jour dans un truc. Ça peut être, ça, à mon avis, ça peut se raconter. Et il me disait, ouais, nous, on entend des esprits, on fait du Ouija, la table avec les esprits, les lettres de Scrabble et tout. Tu crois pas quelle ça idée, quoi, crois Non, pas. Mais quelle idée Non, non. Bah, à 15 ans, en tout cas, tu fais ça. Il faisait ça et tout. Et en fait, il se baladait dans le quartier et il disait, on a chacun un esprit autour de nous. Et il y en avait un qui avait une petite fille, il y en a un qui avait un vieux monsieur. Et je suis OK. Et des fois, il s'arrêtait et il fait, attends, quoi? Ouais, d'accord. Puis il partait comme ça. Et moi, t'as grandi là, genre, où? J'ai grandi en banlieue d'une ville de province. Ça s'appelle le bizutage. je crois bien. Ils avaient tous 17. Tu te rends compte petit à petit de l'histoire. Ouais, non, mais en fait, sincèrement, je pense qu'ils y croyaient. Ils y croyaient un peu. Vraiment, ils y croyaient un peu. En tout cas, je me suis bien fait avoir. Et moi, je me suis dit, oh, c'est marrant. En fait, dans ma tête, je ne voyais pas un pouvoir génial ou nul. Je dis, oh, il parle à des gens, visiblement, ça les aide. OK. Donc je jugeais pas ça. Ça les aide. Le gars était déjà dans un truc très psychique. Et un jour, si ça les aide à évoluer, finalement c'est une croyance comme une autre. Qui sommes-nous? Non, mais dans le sens, je me dis, bon, c'est leur délire. Et en fait, ils se disaient, putain, hier il y avait un mec, il voulait se battre contre moi, mais si je l'avais frappé avec tous les esprits que j'ai autour de moi, si je lui avais mis un coup de poing, ça aurait été l'effet d'une voiture qui lui rentre dans la gueule. Ah. Un jour, je les appelle. Pour l'instant, j'ai l'impression d'entendre une longue histoire où on se rend compte que tu t'es fait mettre à l'amende par des plus grands qui disent « Hey, petit !» En direct. « Petit, bah, oui. Tu veux être notre ami ?» Ouais. Attends, quoi? Et toi, pour faire... qui nous monte son cul? Ah, les esprits veulent que tu montes. Je trouvais ça assez Danse dingue. Pour nous. Je trouvais ça assez dingue. En fait, je t'avoue, j'y croyais pas trop. Et un jour, je dis « C'est marrant, quand même. » J'étais en train de jouer à Resident Evil, je me sentais pas bien. Et je me dis ça serait pas un esprit qui est venu, venu me voir, en fait, pendant que je jouais à Resident Evil. Et je les appelle, ils me disent, si, il y a quelqu'un, on arrive. Ils sont arrivés, ils ont fait, il faut que tu partes. Et vraiment, ils ont fait les gars, il faut que tu nous donnes ta console. Et un jour, en fait, je me rends compte, c'est méga triste. C'est la première fois que j'en parle, donc je me dis, putain, c'est méga triste, en fait. Et un jour, c'était mes potes, tu vois, on joue aux jeux vidéo et tout, tous les jours. Et un jour, je toque à leur porte, et la mère couvre, et je dis, ah, ils sont là, et tout. Elle me dit, non, ils sont pas là. Je fais « Ah ok, dommage ». Et je vois leurs chaussures dans l'entrée, toutes les chaussures de mes potes. Et je me dis « C'est pas mes amis ». Oh non. Donc ils aient niqué leur mère avec leur esprit, voilà. Bande de méchants. Ils sont tous morts. J'ai appris beaucoup de choses sur la vie à ce moment. J'espère qu'ils sont tous morts ou paraplégiques maintenant. Bah en tout cas... C'est mieux paraplégique. En tout cas, s'ils sont morts, ils ont des potes qui les attendaient. Visiblement. C'est parce qu'ils ont... Hé, hey, ça y est, t'es enfin là, on peut mais discuter. Mais ça serait trop bien que les fantômes te froissent, tu sais, quand tu meurs. Il y a des vrais fantômes qui disent « Alors, on faisait croire qu'on traînait avec nous ?» Et ils se font froisser. Aller dans la lave. T'as parlé en notre nom? Dans la lave plasma. Mais heureusement que t'as pas fait genre, mais moi aussi j'entends un fantôme. Ah bah, de ouf. Parce que moi je sais que par exemple, on avait fait. Ah, ça se trouve, c'est ce qu'il cherchait. C'est ça, c'est l'humiliation. Quand j'étais plus jeune, on avait fait fumer une cigarette à une petite fille, en fait. Pardon, c'est pas bien ce que je raconte. Une fille qui avait 2 ans de moins que nous, genre. C'est l'histoire de toute la révélation. Et on lui avait dit, tiens, regarde, c'est de la drogue, alors que c'était juste une cigarette. Et elle a vraiment fait. Waouh, je pleure! Ce qui est un peu vrai quand tu fumes ta première cigarette. Ouais, mais elle était vraiment en mode, j'ai envie de rire pour tout. Ouais, c'est ça. Et t'aurais trop pu faire ça, genre, mais moi aussi j'entends un fantôme, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, non, j'ai pas fait ça. Mais attends, ton histoire de Ouija, elle s'arrête là? Ouais. Bah oui, en fait, c'est plus une histoire d'amitié. Les fantômes, c'était ses amis. Je me rends compte qu'on cherchait un peu d'excitation. Et c'est là où je me suis dit, j'étais assez connecté sur l'imaginaire des gens, en fait. Et je me dis, ah putain, ça ferait que j'en fasse mon métier. Mais c'est marrant parce que ce côté humiliant, je me souviens, il y a une scène, j'avais
aidé à écrire un film qui s'appelle Le Nouveau. Et pour moi, il y a la scène la plus cruelle du monde. C'est un gars qui essaie de s'intégrer à un groupe de potes. Et en fait, ils font exprès de faire une blague pas drôle et de tous rigoler pour voir s'ils rigolent. Donc ils font genre... Et là, le gars arrive, je sais plus ce qu'il dit, il dit « Pop, champagne !» Et ils se mettent tous à rigoler. Et le gars qui veut être pote avec lui, il fait « Ah, ah, ah !» Il rigole. Et ils s'arrêtent tous, ils font « Pourquoi tu rigoles ?» Ah oui, c'est horrible. Et c'est d'une horrible. Cruauté. Il fait « Bah, je sais pas, c'est marrant. » Mais ah, c'est quoi qui est marrant ?» Il fait « Bah, je sais pas, c'est la manière dont vous l'avez dit. » Moi aussi, j'ai un truc humiliant. Vas-y. On est passé des esprits à l'humiliation. Oh là là. Un jour, j'étais en colonie de vacances. Je devais avoir 11 ans, je pense. Et moi, j'étais fan de Renault, comme toi, Audrey. Et j'écoutais que ça. La voiture ou le chanteur ? La voiture, bien sûr. Okay. T'écoutais que j'avais les bruits de Renault. J'avais plein de Renault dans mon lecteur de disques. Des voitures. Les voitures de porte de 92, 93. Je collais mes oreilles contre les Renault. Son prochain concert, on va le voir ensemble. J'adorerais. Et du coup, à cette époque-là, tout le monde écoutait, surtout les filles, que du Céline Dion. Donc j'étais un petit peu la fille chelou. Et donc elle me détestait. Elle me faisait des trucs horribles, genre se mettre en cercle autour de moi, me griffer et tout. Horrible. Et un jour, elle me dit... Attends, c'est horrible, ça, c'est une agression quand même. Non, bah, c'est fun. Oui, non, c'est horrible. Bande, c'est genre, tu n'écoutes pas la même musique que nous, on va te griffer. Et donc un jour, elle me dit, Nathalie, mets-toi sous le lit, on va faire un prank et tout à la mono. Et donc, je me mets sous le lit, bêtement, vraiment imbécile heureuse. En disant, enfin, ah, nous sommes enfin complices. Oui, je commence à m'intégrer, à avoir des amis. Et du coup, il y a la mono qui arrive à la porte et tout. Elle commence à faire, ah, elle est où, Nathalie ? Ben, on ne sait pas. Mais tu ne trouves pas que Nathalie, elle est bizarre ? Et moi, je suis sous le lit à ce moment-là. Et la mono qui fait, oui, elle est un peu dans son monde, mais vous ne l'auriez pas vue ? Non, on ne sait pas où elle est, mais tu ne trouves pas qu'elle est un peu nulle ? Et c'était affreux. Oh. C'était tellement triste. Et moi, j'étais vraiment sous le lit, genre... J'ai envie de te prendre dans mes bras. C'était horrible. Vraiment, c'est horrible. Et après. Non, mais tu dois être là en plus. En train de cligner les yeux comme un Simpson. Les gens sont méchants. Oui, oui, c'est d'une méchanceté. Ouais. Tu vas sortir faire. Moi, et non, je suis là. Et oui, et après, tu sors. Il y a le moment où tu sors de manière nulle, genre. Non, mais tu m'étonnes qu'on est devenus ouais. des. Moi, à la base, je crois pas aux fantômes, mais je crois à la cruauté des gens. Et vraiment, ouais. Pour l'instant, je suis assez. Ça, t'y crois, dans ça, mon oui. Ça, j'y crois bien, là. C'est moi, pendant un an, il y a une camarade de classe qui était censée être ma meilleure amie qui m'utilisait comme son chien. Genre, elle me disait, va jeter ça. Et moi, j'y allais, je disais, d'accord. Et j'allais le jeter et tout. Ce podcast c'était est horrible. En train de se tourner ouais, vers quelque chose de très glauque. Maintenant, on va se prendre dans alors, le on s'en est sorti. On est devenus des artistes. C'est ça. On est devenus des artistes. Merci. On a des gens qui nous aiment maintenant. Moi, j'ai pas pu témoigner. Moi, je suis Jamiroquai. Moi, dans ma classe, il y avait un gars, il était un peu gros, on le frappait et tout. Bon, allez. Ah non. Tu viens de casser la chaîne. Mais j'ai eu une anecdote comme ça. J'ai eu une anecdote super dure. Mais si, est-ce qu'il était symbolos, quoi? On le tapait. Écoute. On le griffait, il écoutait du Renault et puis on lui faisait croire qu'il y avait des fortes choses. Tu te rends compte que moi, je suis dans l'autre camp. Mon enfance était géniale. J'insultais tout le monde. Et depuis, on a créé des comptes Instagram et on se fait complimenter à la moindre exactement, photo. Tu es belle. On se fait liker. Et moi, je suis co-auteur, je suis dans l'ombre et ça ne me dérange pas. C'est fou, hein, comment la vie. Ouais, c'est vrai, ça. Ça te dérange pas? Nous, c'est un appel au secours, en fait. C'est un appel au secours, bah. Instagram. C'est juste des gens qui sont là, genre. Vous trouvez qu'on n'est pas si mal, finalement? Regardez, on met ce gif là, c'est bien. J'ai eu une fois aussi, c'était ma voisine de l'époque. J'étais tellement amoureux d'elle et tout. Et un jour, j'étais à ma fenêtre et. Il y avait un gars qui était un des gars du quartier qui disait « Kian, descends, je crois qu'elle t'aime et tout. » Je fais « Ah ouais ? Ouais, elle veut t'embrasser et tout. » Je fais « Bah grave et tout. Ah bon ? » Je fais « Attends, vas-y, je toque à sa porte. » Elle sort et comme ça, tu viens et tu l'embrasses. Dans ma tête, j'ai 8 ans. Je me dis « Bah ouais, c'est parti. » Donc je descends, je me coiffe. Bah après... C'est un détail. Tu t'es coiffé ? T'avais 22, Kian. J'avais 22 ans, c'est vrai, j'étais à la fac. Non, là, je me rappelle, je me coiffe et tout, je mets du parfum, le parfum de mon père, et je descends, et elle est là, et je fais. Elle me dit, bah voilà, elle me dit, je dis, c'est vrai, tu veux m'embrasser? Elle fait, ouais, grave. Oh. Je fais, ah bah, je t'en chambais, putain, trop bien, bah, on s'embrasse alors, tu sais, genre, il n'y a pas de moment, c'est genre, bah, il faut s'embrasser, bah, oui. On s'embrasse. Et à un moment, ils se regardent tous les deux, ils font. Ah, ça m'a brisé le cœur. Mais c'est impossible. Mais c'est la même histoire que mon histoire des gants Oxbow, tu te rappelles? Rappelle-nous. L'enfer. Bah, j'étais ado, hein, parce que ça... Il y a longtemps maintenant, mais ça m'est arrivé déjà. Et j'étais folle amoureuse d'un garçon qui avait un an plus que moi. Moi, je devais être en 5e et il était en 3e. Et voilà, j'étais folle de lui. Et il m'avait dit un jour...
écoute, si jamais tu m'achètes une paire de gants Oxbow, et parce que c'était l'époque quand même de cette marque incroyable. Je veux plus de vos histoires. J'arrête. Allez, et... c'est bon. Ça s'appelle alors... un bon moment. Non, okay. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Je vous le dis sincèrement, j'y ai repensé. Ouais, quel point j'avais jamais parlé en fait. C'est de pire en pire vu qu'à chaque fois tu sais que ça va aller mal. Non. Il y avait quelqu'un que j'aimais plus que tout au moment où tu étais là. Ça va aller bien après. Mais c'est des leçons de vie positives. Regardez où on en est. On est là autour de cette table. Il chiale encore. Il en est plein. Il est en train de chialer quand même. On est là. On parlait 27 ans plus tard. Est-ce que tu pourrais du coup tu as mis un doigt dans le cul la guitare et tu joues de la musique triste. Bien sûr. Pardon. Attends, finis ton histoire. Non, mais voilà. C'était le malaise en moi. Non, vas-y, reprends. Non, mais on l'a vu arriver là-bas. Les gants Oxbow. Les gants Oxbow. Vous imaginez bien que je lui ai acheté cette paire de gants Oxbow. Ça coûte combien en francs à l'époque? Ah, en francs. 130 francs. Ouais, peut-être. C'est beaucoup quand même. 130 francs, c'est un billet. Il y a un billet. Moi, j'ai beaucoup économisé pour ça. Et il m'avait dit, retrouve-moi dans le local à Cartable. On avait des locaux à Cartable à l'époque. Et pour m'embrasser. Et je lui ai offert ma paire de gants Oxbow. Il les a prises et il a rigolé en disant, tu croyais vraiment que j'allais t'embrasser? Voilà, donc ça a été. Attends, il y a une revanche. Il y a une revanche. Qui s'est effectuée l'année dernière? Non, ah ouais, il y a 3-4 ans. Ouais. Il y a alors, attends, alors là, voilà. Là, c'est un bon moment. Là, c'est un putain de bon moment, là. Là, il a payé. Ouais, tu l'es, là. Enfin, il était parti vivre à Niort. Oh, déjà bien fait. Déjà, elle est là, ma vengeance. Déjà, ma vengeance est là. Et le gars vit à Niort. Et je l'ai croisé complètement par hasard dans les rues de Paris. J'étais hyper pimpée en plus. Et il a bien changé. Et il m'a reconnu, moi je l'avais quasiment pas reconnu. Il était beau comme un dieu à l'époque. Hein. Là, c'est il avait il encore les gants Oxbow, c'est tout troué. Il vit dans la rue et tout. Heureusement que tu me les as payés à l'époque, ça m'a sauvé les mains. Et et on s'est croisés. Il me fait Cathy, et je dis Julien. Oui, j'ai un gros problème avec les Juliens, tu remarqueras. Et il me dit incroyable, mais je t'avais pas reconnu. Et là, j'ai pris un air condescendant et j'ai fait eh ben moi non plus, vraiment. Et je suis partie. Oh. Et je me suis pas retournée. Chez. Et je suis redevenue cette petite fille de 13 ans ou 14 ans, tu vois, qui a eu sa vengeance et c'était chambé. Au cinéma, on aurait vu une petite fille de 13 ans en train de partir, victorieuse comme ça et tout, ça aurait été trop stylé. Ouais. Ah putain, bravo, ça fait du. Bah, c'est ça. Mais bien sûr que ça c'est fait ça du bien. Un bon moment. C'est la vengeance. Là, oui, c'est la vengeance, œil pour œil, putain, c'est ça, moi c'est ce que je dis toujours. D'ailleurs, on va aller, tu sais quoi? Tu prends une petite Legria, on y va, on va retrouver tes potes. Ouais, venez, on y va pour tous. On les défonce. On fait les GoPro. On les fait on un par un. On appelle ça Revenge. Bah ouais. On fait un documentaire d'une heure et demie qui s'appelle Revenge. On les confronte et tout, on s'assoit, on fait. Tu te rappelles? Alors tu te rappelles quand il y avait les chaussures dans l'entrée? Tu te rappelles? Ouais, maintenant on est seul. Hein. Et voilà. Voilà. Alors maintenant qu'on a plombé ce podcast. J'ai adoré de voir la similitude qu'on avait de s'être fait avoir. On s'est fait avoir. Il faut passer par là. Pour s'endurcir. On s'est fait ça, c'est avoir. Vrai. On s'est fait et c'est tant mieux qu'on se soit fait avoir finalement parce que on se fait si c'était avoir, jamais arrivé. Je vais vous raconter une histoire quand j'étais petite, il y a deux jours. Très honnête. Alors moi j'ai signé un contrat chez Webedia. Non, où ils prennent 70% de tout. Oh bah c'est vrai, mes... ça, Mathieu. T'as lu le contrat, tu l'avais lu ou pas? Bah non. Parce que j'étais cachée sous un lit à ce moment-là. Voilà. Non, c'est vrai. Sans ça, on peut leur dire merci. Mais merci, aujourd'hui. Évidemment. Oui. Merci, ouais, merci d'avoir, mais d'avoir fait de nous des gens plus forts et plus méfiants. Non, en vrai, mais quand même. Mais quand merci, même. Julien. Non, mais t'as deux solutions. Soit tu deviens dépressif, détruit, dépressif dans tous les sens, soit tu deviens plus fort. Ouais. Y a pas. Ah, moi, c'est marrant parce que une des filles qui me griffait tout le temps là, elle s'appelait Marie-Neige. Et du coup, elle a perdu ses doigts dans un accident. Non, mais je prends ce faux blaze quand je vais sur TripAdvisor pour mettre des mauvais commentaires. Je m'appelle Marie-Neige 78. Ou un truc comme ça. Voilà. Bonjour, c'est Marie-Neige la griffeuse. Et c'est pour vous dire que j'adore Céline Dion. Je n'ai pas aimé ce restaurant, c'était mal cuit. Il passe du Renault en permanence, c'est vraiment nul. Natou, le paranormal, toi, ça te marque? Parce que tout à l'heure, j'ai posé des questions, tout le monde dit oui, non, Navo, non, mais toi, t'as regardé, t'as bloqué, t'as fait. On se recentre sur le sujet. Mm-hmm. Eh bien, oui, je t'ai raconté la maison de campagne, j'aimerais tout que ça. Tu me racontes. Eh bien, je pense que. J'avais un esprit dans la maison de campagne. Pourquoi? Attends, comment ça a commencé? Les rêves. Ah non, alors attends, non. Pardon. Cathy, t'as suivi l'histoire. Oui, bah oui. Vas-y. Tout commence sur une banane. Quoi? Oui. En fait, j'étais ah avec oui, mon ex-compagnon. Nous sommes sortis faire une balade. Voilà, on se promène dans les champs, tout ça, on revient. Et en fait, je vais dans le salon et là, On se promène dans les champs. C'est une maison de campagne. Tu décris un film ou c'est une vraie histoire, tu sais? Bah, je suis en train de tester le scénario d'un film que je suis en train d'écrire. Elle le pitch. On va voir si elle ça le marche. Elle le teste. On se promène dans les champs, constitués de blé, de courge, de pommes de terre. Et on revient. Et là, il y a une banane posée
dans le salon, qui est à l'extrême opposé de la cuisine. Mais non, mais non. Sur le milieu, sur le dessus d'une enceinte. Je fais, mais pourquoi tu as fait ça, enfin Gustave, appelons-le Gustave. Gustave. Enfin, mais je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais pris cette banane, ça n'aurait aucun sens. Donc je me dis, oh, bah, Edera, il a dû oublier tout ça. Et il me dit, mais maintenant que tu me le dis, avant de sortir, j'avais branché mon téléphone pour qu'il soit chargé, en me disant qu'une bonne balade d'une demi-heure à travers les pommes de terre, les courges. Et les champs de blé. Et les champs de blé, ça recharge. C'est vrai ça, allait recharger. Ça recharge. Et en fait, là, il est débranché. Je fais, bon, sans plus, tu vois. Je me dis, c'est déjà des petites trucs. C'est une coïncidence frugifère. Le mec est hyper la boule, c'est lui qui déraille, il fait des trucs, il oublie, tu vois. Quelques semaines plus tard, on retourne dans la maison de campagne, on est tous les deux, et là, je lui tire les cartes. J'ai un jeu qui s'appelle La prophétie des fées. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu? Ah, ben ça, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est un, jeu de cartes très sérieux. Wow. Bien sûr. Et ça, c'est un jouet, peut-être? Non, c'est pas un jouet. Ok, je respecte. Tiens, hop, voilà. Voilà. Et ça aussi, la magnéto Serge. C'est un cendrier, c'est voilà. Ça Donc, je lui tire les cartes. C'est vrai qu'on dirait un cendrier. La prophétie. C'est vrai que c'est un putain de standard. Hop. Magnéto. Donc, je remets sa tête correctement. plus aucun respect. J'en étais où? Je lui tire donc la prophétie des fées qui détient toutes les connaissances du monde et l'avenir de cette planète. Et à un moment, en fait, j'avais une Apple Watch. Et je ne sais pas, j'ai peut-être dû presser mon poignet et ça a dû appuyer sur le petit bouton qu'il y a sur le côté, la couronne. Et là, la montre me dit « Comment va l'autre connard? Nous, on t'aime !» Évidemment, ces mots n'étaient jamais sortis de ma bouche. Et on aurait dit un texte que tu dictes et là, à ce moment-là, la montre va te dire ton texte. « Voulez-vous que j'envoie « Comment va l'autre connard? Nous, on t'aime ?» Je n'ai jamais dit cette phrase. Et là, les chiennes qui se mettent à aboyer, évidemment, je fais un « et je saute dans ses bras, je me dis, qu'est-ce qui se passe? On est en angoisse totale. Horrible, horrible, horrible. Comment va l'autre connard? Comment va nous l'autre connard? Nous, on t'aime. Ça sort de nulle part. Là, j'ai commencé crois à me dire. Je me sens pas bien. Et c'était pas ta montre qui lisait un texto qu'on venait de t'envoyer? Non okay. Il n'y a pas eu toulou. Il n'y a pas eu le toulou de Dissiri avant. Rien que d'en parler, ça me réangoisse. Donc, banane, plus chargeur, plus Apple Watch. Merci Apple. Ça commence à faire des petits éléments chelous. Et en fait, je raconte tout ça à mes amis, parce qu'il y a quand même des week-ends où on est plus nombreux que deux. Et donc, il y a une espèce de fête et tout ça. Et il est 4h du matin, tout le monde va se coucher. On se retrouve à 4 dans le salon. C'est la première fois que Gustave rencontrait tous mes amis. Et là, il y a cette scène où j'ai une de mes potes qui est assise par terre. Comment s'appelait la chanteuse? Zaz Winter, non. Zaz. Non. Appelons-la Louise Joseph. Par ah d'accord, oui, d'accord. Donc, ah, oui, Louise Joseph était assise par terre et elle se met à pleurer. Donc là, Gustave, ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir tous les éléments de drogue au fur et à mesure? Est-ce que vous étiez drogué, bourré? Zéro. On est sur de la courge, on est sur du légume bio, on est sur juste ça. En plus, là-bas, on mange hyper bien. Peut-être 2-3 Valium. On sait rien. Elle se met à pleurer. On la laisse dans son élément, on ne va pas la perturber. Elle revient c'est à ça, elle. Être une amie, après tout. Oui. Elles font en larmes sur le sol. Mais c'est bon, chialer, ses potes. On continue notre time zone. Non, mais parce qu'on lui parlait. Oh, elle chiale, putain. Laissez-la, elle fait sa crise. On lui parlait, mais elle était genre... Laissez-moi. Non, c'est pas vrai. Elle avait les yeux révulsés. Mais non, Elle était en lévitation de 5 mm. C'est pas énorme, c'est pas donc on s'est dit... Pour le coup, on croit vraiment qu'elle est assise par terre. Sur le coup, c'est vraiment pas ouf. Louisie revient à elle. Et elle nous dit, écoutez, j'ai ressenti la présence, vous pardonnez, c'est bien parce que c'est chelou, j'ai ressenti la présence d'un homme, il était très heureux d'être ici, et en même temps il est coincé, il ne se sent pas bien. C'est un homme qui a la cinquantaine, grisonnant, très souriant, et il est très heureux d'être là, mais voilà. On fait, wow! Donc Gustave, à ce moment-là, première rencontre avec mes amis. Ah, donc tout est normal ici, hein, c'est ton groupe d'amis. C'est toujours un peu la rencontre pivot, c'est j'espère que va bien se passer, c'est quand même pivot. Il y avait Bernard, c'est vrai. Non, mais on attend le fameux rendez-vous à la cuisine, non, il est super en fait. Tu vois, on attend ce rendez-vous, ce moment important, tu vois. Ouais. Ouais. Donc voilà. T'imagines moi, tu te retrouves dans la cuisine avec Gustave et qu'il fasse putain, ta copine qui voit des mecs grisonnants de 50 ans dans son esprit, elle est super, j'adore. Faut l'inviter plus souvent. Louise et Joseph, Vlatipa. Qu'elle re-rentre en transe encore plus forte. Elle se remet cette fois à chialer pour de vrai. Et donc là, vraiment, Gustave fait « Bon, je vais me coucher. » Et moi, je fais aussi « Bon, ben, on va vous laisser. Mich, un de mes meilleurs potes, je te laisse gérer parce qu'il est très proche de Louise et Joseph. Il l'accompagne en tournée, tout ça. » La campagne tournée, c'est dans son spectacle. Là, c'était un moment trop intime. Genre, on s'est dit « Laissons-les tous les deux. »
on va se coucher le lendemain matin, ou plutôt même le lendemain midi, parce que nous, on est des foufous, du coup, on se lève tard. On se retrouve à table. Mais sauf quand il y a une brocante. Sauf quand il y a une brocante. Oui, c'est vrai. Louise et Joseph étaient en train de chanter, tout allait mieux. Et là, on a un pote qui vient aussi de se lever, qui se met à table et qui nous dit « Les gars, Louise et Joseph et Francis Cabrel, ne s'étaient pas consultés. » Vraiment, c'est la maison du bonheur, mais c'est la maison des stars. C'est la maison des stars. Non, mais c'est pour l'anonymat des gens, c'est pour ça. Ils ne s'étaient pas consultés. Et voilà, Tipak Francis me dit « Les gars, avant de me coucher, j'ai vu un homme dans ma chambre qui a approché son visage. » Un visage d'un homme souriant, grisonnant, comme par hasard. Tu vas où ? Il va pleurer. Oh, ça va, reviens. Non, mais la finalité est sympa. On est perdu sans toi, arrête. Il nous décrit donc un homme qui s'est approché de lui en souriant et qui a disparu. Pouf. Pas de drogue, je le répète. Et donc, sans se consulter, ces deux personnes ont détaillé la... Fabrice Cabrel, il a dû faire une chanson derrière. Le petit homme. Petit fantôme. Le fantôme. À Babylone. Et donc, voilà, c'était fou. Et j'ai dit, mais les gars, vous êtes parlé avant. Non, vraiment pas. Je viens de me lever et tout. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais peut-être faire intervenir quelqu'un pour faire partir cette personne souriante. Hein. C'est bien, mais il faudrait qu'il s'en aille vivre sa vie. Moi, je n'avais rien constaté de moi-même, à part l'Apple Watch. C'était un peu chelou. C'est quand même pas mal, l'Apple Watch. Hein. En vrai, ouais. Comment va l'autre connard ? Nous, on t'aime. Mais les gens terre à terre te diront « Tu as appuyé avec ton poignet sur le bouton, t'as dû dire des mots qui ressemblaient, tu vois. La banane... » Navo, vous êtes terre à terre, qu'est-ce que vous auriez dit, vous ? Non, bah, moi, je laisse les gens... Mais il y avait l'histoire de la double prise aussi. Tu sais, le chargeur, la multiprise. Oh non, mais là, il y a trop de trucs. Ouais, y a à un moment, on cherchait une multiprise. C'est très électrique. Hein, j'ouvre un placard et il y a un vieux avec une multiprise qui me fait « Tiens, c'est ce que tu cherches bah, !» Le mec bossait chez Darty. Voilà. J'avais oublié ça. On cherche partout comme des fous. Là, il y a un bruit d'un objet qui tombe. Non. Un multiprise. C'était ça ? Oui, c'était ça. C'est ça. T'étais là ? Alors, non, moi, j'étais pas là. Ah bah bien sûr, Natou, on y crée des histoires. C'était que des petits trucs comme... Mais en fait, c'était un esprit très bienveillant. Donc, j'ai l'impression que c'était un mec qui surveillait... C'était un mec qui squattait qui était posé, quoi. C'est comme si j'avais un coloc, mais qui payait pas sa part. Ça, c'est pas cool. Donc, ça me gênait. C'est pour ça que j'ai fait venir quelqu'un. T'as fait venir un huissier ? Un huissier des esprits ? Non, Maître Nadja. Tu nous dois combien ? Et donc... Il est parti. T'es obligé pour payer le loyer. Je vais vous révéler l'emplacement d'un trésor. C'est hyper compliqué. Il peut pas te faire un virement. La personne est venue chez moi. Elle est venue. Nous avons fait un week-end spécial fantôme. Et bon, moi, je sais pas, j'y croyais pas. Enfin bref, je me le suis laissé porter par l'événement. Et on était assises toutes les deux. Là, cette fois, c'était un face-to-face. Et donc, cette dame disait à voix haute, est-ce qu'il y a un esprit ici, dans cette maison ? Bah, comme mes potes d'enfance. Mmh. Ouais. Ouais, non ? Attends, tu peux pas faire ça. Mais c'est vraiment... Vous avez vu Ghost, quoi. Aucun jugement, moi, de ma part. Vraiment, je suis là, genre, j'accueille cette personne comme une sauveuse. Comme un plombier, quoi. Tu fais ton taf. Ouais, sauf qu'il n'y avait pas l'arrêt. Moins intéressant. Et du coup, elle commence à parler. Elle dit, oui, il y a bien un homme, effectivement, qui a vécu ici plein de bonnes choses, qui est très heureux d'être là et en même temps qui est perdu parce qu'il n'arrive pas à passer de l'autre côté. Mais tu lui avais dit tout ça ou pas, toi ? Hein ? Non. Alors, je lui ai dit... Ouais, tu l'as dit, mais monsieur ? J'avais dit un homme grisonnant. Et elle m'a dit, il n'était pas grisonnant. Elle le voyait plutôt jeune, elle. Ah, donc, déjà, elle aurait pu dire, oui, il est grisonnant, il est souriant, comme ça. Et... Donc, elle me dit qu'il ne s'est pas rentré chez lui. Elle appelle un membre de sa famille. Une femme qui serait morte dans cette maison, en fait, vient lui tendre la main et ils repartent ensemble vers la lumière. Et elle me dit, en fait, qu'elle voit vraiment les gens qui sont morts, comme dans la série The Whisperer, et que vraiment, elle ne les voit pas en transparence ou avec des ombres et tout ça. Elle les voit comme vous et moi. Et en général, c'est juste des gens qui sont paumés, qui n'ont pas accompli une chose avant de partir. Et elle les aide à passer de vers l'au-delà. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Ça, c'est la preuve qu'on est dans une simulation. Ça s'appelle un passeur d'âme. C'est la preuve qu'on est dans une simulation. En c'est des bugs. Cas, il n'y a plus rien eu dans la maison à partir de ce jour-là. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai envie d'y croire. Et je n'arrive pas à y croire. Mais ça me fait quand même flipper. Le mec grisonnant avant de te coucher, genre. Bah, qui sourit comme ça, personnes. Genre. Ça me fait flipper, mais t'as pas aidé. Mais il était content, voilà, lui, c'est ça. Il était bienveillant. Mais ouais, mais quand même. Il y a mec qui est hal, quoi. Attends, il y avait des trucs. Genre, la multiprise, je cherche un truc, ça arrive. Il y avait un autre truc, j'ai un pote qui vient avec son ordi pour bosser à côté de moi et il mettait la musique à fond parce qu'il compose de la musique. C'est Théo Bernard, le petit frère de Flaubert, très talentueux. Sauf encore que moi, un pistonnet. Oui, voilà. Moi, j'essayais d'écrire un texte à côté, j'arrivais pas à me concentrer. Vladipak, son ordi se met à dérailler. Il me fait, mon ordi n'a jamais fait ça. À part. Excuse-moi, là, ça. Non. Et j'étais là, je me disais, mais non, trop bizarre.
Genre, je me plaignais du bruit, je me disais, dans vas, ma tête, je me disais, tu vas trouver un gros aimant à côté de ta maison. Un jour, tu vas voir un placard, tu fais, c'est quoi ce gros aimant? Enfin, bah ça, c'est le genre de truc qui fait parler les Apple Watch, qui fait tomber les multiprises. Mais il y a l'usine d'aimant qui est juste à côté, tu sais, il y a l'usine d'aimant. Mais c'est parce que j'ai des éoliennes à côté, c'est peut-être le vent. Non, mais c'est vrai que toutes ça les fait plein de petits détails. Sont très électriques. C'est très magnétique. Détails. Très magnétique. Voilà. Putain, bah ouais. C'est juste quelqu'un qui t'a hacké et qui te gâche la vie. Putain, j'ai l'Apple Watch de Natou, là, ça va être trop marrant. Écris l'autre connard. Hé, connard. Et moi, je sais qu'Audrey m'avait raconté une histoire horrible avec un verre qui se retourne. Ah oui, ça, c'est quand j'étais plus jeune. Je l'ai toujours en tête, ça. Tu peux le raconter. Ça, c'est quand j'étais plus jeune. En fait, j'ai fait le même... J'ai vu Ouija. Ouija. Je sais pas pourquoi j'ai fait d'ailleurs ce truc-là. Je l'ai fait une première fois. Où il y a eu ce phénomène où j'ai appelé quelqu'un... qui était une proche de moi qui s'est suicidée. Et j'avais besoin, je ne sais pas, de communiquer avec elle. Et on communique et ça se passe hyper bien. Elle me dit que... Tu es toute seule à ce moment-là? Non, il y a une autre personne avec moi. D'accord. On n'est que deux. D'accord. Et non, on est quatre. Mais les deux autres ne touchent pas le verre. Et elle me dit que... Enfin, elle me donne les raisons. Voilà, tout ça se passe très, très bien. Il y a une question que j'ai toujours, parce que moi, j'ai jamais fait le truc de Ouija, c'est que souvent, que ce soit dans des films ou dans des histoires, là, la personne m'explique qu'en fait, elle est tombée dans les escaliers et qu'après, elle a passé un coup de fil à sa mère. Et je me dis, mais comment ça, avec un verre sur des lettres? Dans ma tête, je me dis, ça doit durer 8 ans. Non, ça va, parce qu'en fait, tu commences à genre, si t'écris V-E-R, bah, déjà, c'est vert. Un doigt, je me dis, tu vois, je suis ouais, un esprit, mais après, je suis là... tu vois, tu... Je vois comment ma mère, elle envoie des textos, déjà, elle galère, elle est là, exactement. Genre, bonjour. Voilà, c'est la durée de ta mère qui t'écrit et puis, un truc, oui, non. T'as le oui, non. Donc, t'as les mots et si tu poses une question, ça fait oui ou non. Quand ma mère sera décédée, on pourra... Ça changera rien. Ça changera rien. On va communiquer comme avant. Et du coup, bref, donc ça se passe hyper bien. Mais quand elle s'en va, je suis extrêmement frustrée qu'elle s'en aille déjà parce qu'elle s'en va en me disant juste, en gros, le temps est terminé. Ça y est, moi, je suis passée à autre chose. Donc, elle écrit adieu et le verre s'arrête de bouger. Et je dis non, on recommence, etc. Et là, on recommence. Et quand on recommence, en fait, d'un seul coup, c'est pas cohérent du tout. Tu poses des questions au départ, elle répond pas correctement, oh, là putain, où elle avait répondu très correctement au départ. Et en fait, d'un seul coup, ma pote dit, mais où vous êtes dans la pièce? Et la personne marque derrière Audrey. Derrière toi. Non. Donc là, voilà. J'y crois pas, hein, mais ça me fait flipper quand même. J'y crois pas du tout. Fin de ce truc-là, on pète le verre et moi, je me dis plus jamais. Plus jamais je veux faire ça. Mais il est encore derrière toi, tu sais, du coup. Et depuis. Non, mais il y a une règle. Non, il y a une règle, en fait, c'est que tu dois dire au début, c'est est-ce que tu es un esprit gentil ou malin, c'est ça. Il peut manquer. Non, mais il doit dire, est-ce que tu es un esprit gentil. Et une fois qu'il dit non, tu prends le verre, tu mets une flamme, et c'est ça, je crois que tu fais. Ah ouais, je crois que c'était ça le délire. Le délire, à Val de Murini, c'était ça le délire. Voilà. À Val de Murini, c'était là. J'avoue que dans le 93, nous, on était plus straight to the point. On se les jetait, ouais. Elle a gardé toutes les âmes autour d'elle, d'ailleurs. Et je trouve ça bizarre, quand même, d'être un esprit de fer. T'es allé avec sa hache spirituelle pour te couper la tête et là il fait et t'as méchant il fait bizarre. Oui oh, oui non c'est oh vrai. Il a posé la question non mais non je me suis encore fait avoir ils ont toujours la question c'est une sorte d'honnêteté il y a quand même une sorte de président qui a dit les gars il faut dire si oui ou non vous êtes sympa hein. On dirait la fausseté gentille aux États-Unis où soi-disant si tu dis à quelqu'un est-ce que t'es flic il est obligé de te répondre oui s'il est flic oui voilà c'est ça c'est pas du tout vrai c'est pas vrai mais il y a cette légende genre est-ce que t'es flic. Le gars, il fait « Oui, putain, il a fait 5 ans de couverture, il m'a demandé !» Et du coup, je me dis donc plus jamais je ferai ça, parce que j'ai eu la trouille pendant très longtemps. Déjà, j'avais eu la trouille plus petite à cause d'une légende dans la religion juive qui s'appelle « J'oublie, mon cerveau oublie tout le temps », qui sont des espèces de fantômes avec des pattes de poulet. À toutes les personnes qui connaissent cette histoire, c'est très flippant. Bon, bref, ça m'a traumatisée déjà petite. Passons. Et j'ai une amie qui perd son papa et elle me dit j'ai très envie d'appeler les esprits. Et elle me demande à moi. Et je me dis je peux pas la laisser toute seule dans cette démarche-là. À ce moment-là, je savais pas. Pas encore. À ce moment-là, j'avais des prémices d'eux, mais je savais pas. Et j'accepte. Et en fait, là, c'est pas du tout. On appelle les esprits, c'est pas du tout son papa qui se pointe, quoi. Mais pas du tout. Et sa maison était. Genre, on était dans le salon, mais le salon était déjà sur un premier étage. Et
on ouvre la fenêtre, on prend le verre, le truc commence, tu sais, tu commences à sentir une espèce de vibration très bizarre dans la maison. Et là, on se dit, OK, on arrête, on prend le verre, on le jette. Et en fait, le verre se retourne et vraiment se pose. Sans être cassé. Sans être cassé. Mmh. Ah ! Voilà. Oui, enfin, c'est... Mais bon, ah, ça arrive. D'un autre côté... Qui... Avec la paupière qui cligne. C'était terrible. Bah, après, c'était un verre Arcorock de maternelle, tu sais, avec les chiffres à l'intérieur. C'est difficilement cassable. Ça, c'est vrai. Mais en gros, moi, je fais du... J'ai mes arrière-grand-mères qui étaient magnétiseuses, guérisseuses, rebooteuses, etc. Et... C'est-à-dire oui, c'est les ordinateurs. Quand ils... Oui. Voilà. Dès qu'il y a un problème, je suis là. Connecté sur la vanne. En fait, les fantômes de Natou, faut une rebooteuse, elle vient, elle reboote tous les objets électriques. Fait, voilà, c'est bon. Je t'ai fait la mise à jour. Elle a rebooté son Apple Watch. J'ai le fantôme de Steve Jobs dessus partout. Mais putain, c'est quoi cette mise à jour? Merde. Et en fait, ce truc-là de, finalement, de vibration n'est que le début et la continuité de tout ce qui est esprit, etc. Puisque tout est vibration et que même si on ne le voit pas, tout est matière. Et en fait, très rapidement, on va pouvoir se rapprocher de la physique quantique pour aller vérifier ces genres de choses. Et même de façon plus pragmatique, vous pouvez aller voir Nicolas Fraisse, par exemple, Je pense que j'ai été plutôt sympa jusqu'à maintenant. Tu vois, je ne vous ai pas trop contredit, je vous écoutais avec respect. Non. Ne commencez pas à mettre la physique quantique. Parce que là, c'est le moment où ça commence à se fâcher. Mais... Vous avez les horoscopes et tout, voilà. On a la science qui permet quand même de faire des bâtiments, d'aller dans l'espace. Donc... Moi, un jour, je suis rentrée dans une boutique esprit, j'ai acheté un pull. Moi, j'y crois pas, ça. Eh bah, ben, attendez. J'y crois pas du tout. Moi parfois, j'entends des choses. Hein. Moi, parfois, j'entends des trucs. Alors, c'est le retour dans le casque, peut-être. Donc, si vous n'y croyez pas du tout... Non, c'est pas qu'on n'y croit pas du tout. Moi, pour moi, il y a une forme de doute. Il y a une forme de doute qui est intéressante. Ça fait très peur d'y croire, sûr. Mais c'est pas dans ma vie. Je me dis pas... putain, merde, elles sont où mes clés ? Ah, c'est encore Jean-Jacques. Tu vois, j'ai pas ce réflexe. Parce qu'en fait, ça partirait toujours du principe qu'ils sont méchants ou mal intentionnés. Alors que non. La dernière fois que ça m'est arrivé, vraiment là, adulte, c'est parce que j'étais à Nantes, à la compagnie de café théâtre, et je laisse mon chien dans la loge. Et en fait, la loge, il y a une petite maison à côté de la loge. Et je le laisse dans la petite maison, en fait, pour qu'il ait plus d'espace, qu'il soit moins dans une petite loge et tout. Après, je vais jouer. Et pendant, il y en a vous en première partie, j'entends mon chien, mais aboyer, mon chien n'aboie pas, non, il souffre pas de solitude. Il aboie, bah, 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 bah. Je vais voir le gars, je fais, mon chien, il aboie dans la petite maison, il fait, la petite maison, ah, c'est très chargé là-bas. Je vais monter sur scène, de quoi tu me parles? T'es juste là dans un trac et tout, il fait, non, mais c'est très chargé. Ton chien est en prise avec beaucoup d'esprit, là. Le chien était là genre waouh, ils sont 3000. Les amis, je me sens comme possédée. Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Comment vous vous appelez? She's just a cosmic girl. Wow, mais c'est JK. Attends, et là c'est on voit JK. Qu'il vient de mourir, tu sais. Ça fait 5 minutes. Oh mon dieu, mais la nouvelle vient de tomber, il est mort. Et on l'entend dans son Apple Watch. Pardon. On va passer à un petit jeu, les amis. Navo, je te laisse parler, vas-y. Présente-nous un peu ton multi-blind test. Ah, c'est l'heure du multi-blind test. Multi-blind test. Oui. Eh ben, tu perdras. C'est vrai. Mais comme vous êtes tous en équipe, Ouais, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il y a juste des gens qui cassent des jouets, c'est tout. Oh non, c'est pas des jouets. Magneto, Serge. Voilà. les amis, vous allez vite comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est le principe du multi-blind test, Navo? J'en vois 6 morceaux en même temps, il faut en trouver au moins purée, un, et puis quand vous le trouvez, je l'enlève, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est le brouhaha. Okay. C'est le brouhaha test. Okay. Attends, on va débriefer un truc, c'est que Natou a pété mon magnéto. Mais non, voilà. C'est impossible. Elle l'a pété. Ouais, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il y a juste des gens qui cassent des jouets, c'est tout. Mais voilà. Non, c'est fait exprès, cette pièce qui se détache facilement. Blanc, et blanc qui se rattache, et qui se rattache à l'aide de colle, de glu. Non, mais je vais te le... C'est 5 balles à la brocante, ça. Oh, ouais. Oh, pardon. Tout n'est pas que brocante dans la vie. Il y a des choses neuves. Oh, un peu quand même. Ça me fait pas... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la vie. Et d'ailleurs, Kian peut jouer. Il dit c'est pas grave, mais il saigne du nez. Mais tu veux peut-être qu'on en parle... Non, t'inquiète. Multi-blind test. Non, je pense que c'est important. Non, non, t'inquiète, c'est bon, je suis brisé à l'intérieur de moi. J'en parle en off, t'inquiète pas. De toute façon, tu restes une heure après, Natou. Oui, évidemment. On va te gronder. T'inquiète, c'est pas grave, il est cassé. Il est cassé.
Arrête d'essayer de le réparer, ça lui fait encore plus mal. Tu sais, c'est à un moment, c'est de l'acharnement thérapeutique. Mais arrêtez, vous voyez bien qu'il est parti. Et c'est parti. On peut dire stop dès que vous en reconnaissez. Hein. Alors, on danse. Big Flo et Oli. Alors, on danse. Je te mentirais. Non, c'est pas ça ? Promesse ? Alors, déjà, il y a alors on danse. Non, il n'y a pas du tout Big Flo. Qui a dit alors on danse ? Moi. Ah, bien vu. Cathy. Tu l'enlèves au fur et à mesure, la chanson ? Je l'enlève. Elle l'enlève, oui, sinon ça. Oh, génial. C'est bien fait. C'est bien pratiqué. C'est pas con. Hein. Ça veut dire que Promesse, s'il n'y a pas Big Flo et Oli, tu n'en es côté de la plaque ? Absolument pas. Mais peut-être on va se rendre compte qu'en fait, ils ont juste mélangé deux morceaux. C'était pour faire leur promo, en fait, ils m'ont donné un petit billet. Ah, tu veux dire l'excellent morceau de Big Flo et Oli, oui, en tournée dans toute la France, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On les adore. Et ils ont une marque de vêtements visionnaire. Bisous les bros. Bisous Flo, qui me fait une passe décisive quand je suis venu à Toulouse. Tu m'oublieras. Stop. Il n'y a pas Men in Black ? Non. C'est dur. Élève les bras, balance-toi de ce rythme. Sachez que moi, ça me donne cette truc audition me donne envie de vomir. C'est comme si mon estomac prenait toutes les informations. Vous voulez que tu passes un bon moment genre, non, il y a trop. Remets. En fait, j'en ai fait un dur sans faire exprès. Il était dur. Mais tu le cales, il trouve beaucoup. Ouais. Après, comme il y a des breaks, il y a des breaks. Des moments, il faut être attentif. C'est tout simple. Spice Girl, Dieu m'a donné la foi. Spice Girl. Ah, c'est peut-être ça alors. Abide. Tu m'as donné la fois, c'est plus crédible pour moi. Spice Girls. Spice Girls. Vous dites des trucs avec tellement de. Bah, c'est sûr, maintenant il y a quelque chose. Oui. Bob Marley. Bob Marley. Forget your past, Bob Marley. Don't forget your past. Bon, il reste 3, ça va devenir plus facile. T'es un zikos, toi. Il y a Eminem, qu'on n'entendait pas du tout. Je suis Passepartout, Fort Boyard. Bon, ça, c'est un peu. Alors, facile. Là, comme il en reste 2. Louis et Joseph. Non, normalement, il en reste qu'un. Hein. Ah, là, il en reste 2. Bah, donc, il en restait 4. Aïe, tout est il en restait 3, vous avez trouvé un, maintenant, il en reste 2. 3, 2, 1. Tu sais, quand on compte à l'envers. Bah, Bob Marley, on était à 3 déjà. Mais ouais, enchaîne. Non, excusez-moi. On demande le replay. Excuse-moi, Cathy, téléphone s'embrouille vraiment. On demande le replay, en fait. Et puis, vous vous mettez d'accord. Ah, t'as raison. Et puis, vous repartez. Là, vous pouvez couper et montrer qui a raison ou qui a tort. Ouais, grave. On fait le flashback. Okay. Et après. Flashback en noir et blanc. Elles sont au courant. Il y a 6 morceaux. Il faut en trouver au moins un dedans. Alors, non. On danse. Big Flo et Oli. Alors, on danse. Spice Girls. Ah, Bob Marley. Bob Marley. Eminem. Passepartout, Fort Boyard. Ah là, il en reste 2. Elle revient dans une émission d'une heure. Il a tort. Où celui des deux qui a raison lui en parle pendant une heure. Ouais. D'accord. En disant, tu vois, j'avais raison. Je pense que les images ont parlé. T'avais tort. Céline Dion. Céline Dion. Fort Boyard, il l'a dit. Je suis vexée. Il n'y a aucune de mes chansons. Aucune de tes chansons. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas Swipe. Non, je parle de Cosmic Girl, en fait. Ah oui, t'es toujours possédé ? Je suis Jamiroquai. Ah, purée. J'aimerais tellement que ce soit mort pendant l'enregistrement. Et là, je suis obligé de dire. Je vais quand même regarder. J'avoue, il y a un truc, frère. Et le dernier, c'est quoi ? On sait jamais. Et ben, donc, vous aviez Céline Dion et Garou, et Passepartout de l'autre. Ah oui, c'est vrai. Bien joué. Bon, voilà. Ça, c'est le premier tour. Il y a un deuxième tour ? Il y a un deuxième tour, parce que tu m'as dit que. Quand on l'a fait une fois. Parce qu'on en a fait une fois, maintenant. C'est vrai. Maintenant, ça va. Alors, c'est bon. Mais il y a beaucoup d'infos pour mon cerveau. Ouais, j'avoue. Qui tente de tout traiter en même temps, ce qui n'est pas possible. Impossible. Il n'est pas mort. Enfin, il est mort artistiquement parlant, mais sinon, il n'est pas décédé. Mais comme il faisait grosso modo toujours le même morceau, de toute façon... Je ne suis pas d'accord. J'adore quand les gens disent ça. Non, je ne suis pas d'accord. C'est bien, j'aurais deux fois raison dans cette émission. Oh. Là, c'est plus subjectif. Quoi. Face à la mer. Face à la mer de Calogero. Putain, il était bien caché. Cathy est très forte. Hein, moi-même, je l'entendais pas alors que je sais qu'il y est. Mais je suis TDA, moi, donc c'est plus facile d'arriver à. Ah, c'est vrai ? Ah, complètement. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, donc mon oreille ne va écouter qu'un seul truc. Moi, j'ai un trouble de l'attention. Mais c'est sans ça. Déconner. C'est pas vrai. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Je me demande comment. Mais ça me surprend de ouf. Avec hyperactivité. T'as fait un putain de petit marron, une statue en petit marron. C'est sympa. Qui est tenue par Serge. C'est un pole dance magnétique. Bon. Du coup, j'ai pas écouté. Ok, c'est reparti.
Ah, Aurélia. Ah, oui. Comme si j'avais déjà douté, j'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. Donc, paradis. Paradis. Mais attends, mais parce qu'on c'est un nouveau. Ouais, c'est un nouveau. Ouais. Parce que je me suis dit, il y en a quand même beaucoup. Ouais. J'en ai mis 200. Tellement si belle. Tellement si belle. C'est Marc Balavoine. Lavoine. Balavoine. Marc Balavoine. Ah, Gangsta's Paradise. De Coolio. C'est ça? Mais t'as mis Paradise et Paradis. Très malin. Là, faut trouver les deux. Il était une fois. Il était une fois. Explanation, je connais pas celui-là. Ah non plus. Cathy. Je pouvais me réveiller. Cathy, tu l'as ou pas Explanation? Bah, j'ai pas le nom en fait. Je peux chanter la chanson, mais j'ai pas le nom. C'est quoi la chanson? Là, c'est le refrain. Ah, alors c'est Stevie Wonder, Gangsta's Paradise, c'est l'original. Bah, il oui, a ce encore des mélanges de Gangsta's Paradise et pendant ce temps-là, on a tout pensé à autre chose. Regarde, il s'en frotte les mains. C'est le sacré étagère qu'il a installé derrière avec le chevet du taureau. Je regardais la boîte, je fais, il est joli ce jaune. Mais surtout, tu te disais, il a l'air d'y tenir en fait, assez joli, qu'est-ce que je viens de faire. Et ben voilà, c'est une belle victoire de tout le monde. Bravo, on a tous gagné. Je suis très fier de vous, les enfants. J'aimerais qu'on passe un petit jeu, les amis. On se passe un petit jeu parce que Cathy adore les gens à faire le jeu de la complicité. Alors, le jeu de la complicité, qu'est-ce que c'est? Ici, il y a une petite boîte avec des mots, d'accord? On va jouer en équipe. Vous trois contre nous deux. Vous devez pour faire deviner les mots, vous ne devez pas dire le mot. Mais vous devez donc faire deviner les mots pour le coup. Vous dites absolument tout ce que vous voulez. Mais nous, on peut deviner. On doit deviner en même temps. Par exemple, si tu dois faire deviner le mot chocolat, tu dois faire deviner à tes copines le mot chocolat. Sans que nous, on puisse deviner, mais qu'elles puissent deviner. Donc, okay. En passant par votre canal de complicité. Ah, c'est génial. C'est le jeu de la complicité. C'est super. On va voir si vraiment vous êtes des BFF. Ok. Ouais. Ok. Ok, c'est vous qui commencez? Quoi, en fait? On en fait à chacun. Pas paniquer, ça va? Et ça, nous, on joue aussi, on peut deviner. Nathalie, je commence? Bah oui. Allez, tu mais n'est pas par chance. Donc, tu lis ce mot et tu parles dans le micro. Tu nous fais deviner potentiellement. Parle bien dans le micro, faut pas lire le mot. Tu le. Oh non, j'aime pas du tout. Okay, elle a changé de mot. Attends, le remets pas dedans, parce que si après on le pioche, tu vas savoir ce que c'est le mot. Mais non, mais ça me parle pas du tout. Non, mais arrête de les remettre dedans. Mais arrête, Natou. Ne joue pas. Mais y a rien qui me parle. Mais c'est le principe. C'est pas censé te parler. C'est que tu dois passer. Alors, vas-y, on commence. Attends. Ah, on commence, on va commencer. On va arrête commencer. De tous les lire. Arrête, tu casses le jeu. Il y a un gars qui a travaillé 8 heures à créer les mots intermittents. C'est pas possible. Attendez, je les remets. Non, c'est pas possible. Mais non, elle les a toutes lues. Non, j'ai pas tout lu. Après, je vais être là, je vais dire, rappelle-toi, elle va dire une chaussette. Ouais, c'est vachement marrant de jouer avec toi. À moi de commencer. Ça va, Natou? Toujours tout. Mais non, mais en même temps, c'est ce qui fait ton charme. Ok. Ok. Ah, tu vois, ils vont se faire des private jokes. Moi, ça me parle pas non plus, mais je me dis, ok. Oui. Il va falloir passer par des chemins de traverse. Poulet. Putain. Caraco. Il y a des trucs que j'aime pas regarder. Le fromage. Ok. J'ai une angoisse. La mort. Ah ouais, alors, t'en as plusieurs. La nuit, j'ai une angoisse. Je me réveille et. Ampoule. Et c'est avoir soif. Même des fois sur scène, j'ai ça. Je dis. Ok. D'ailleurs, tu me vois tousser derrière. Ok. Quelle complicité. Le Reiki va lui faire le plus. Bah quoi, on parle. Il connaît mes angoisses. Hein. Ouais. Tout le monde sait pas sur angoisse.com de Cannes. On a 6 spectacles qui vont venir là. On fait un spectacle, une angoisse. Tu vois Valentin Ferron, il a peur de quelque chose. Des araignées. Il a peur de son cauchemar classique. Et ben imagine, c'est un film. Une nuit en enfer. Interstellar? Non. Gravity? Oui, Gravity, yes! Bah, attends, je vais vous faire deviner, moi. Valentin Ferron, c'est notre monteur, et il a un cauchemar, c'est que toutes les nuits, il dort pas, il ne fait que tomber dans l'espace. Il est bloqué dans l'infini de l'espace. Quel enfer.
Et pour il fait des rêves, c'est ça qui te fait cauchemar sur scène. C'est ça, ah, mais attends, non, parce que j'ai peur de m'étouffer, j'ai peur de... Alors, c'est vrai que dans cette suite. Attends, mais on peut pas dire la catégorie, parce que là, pour le coup, c'était un film. Ouais. Ah, on n'a pas le droit de le dire, ça, non. Oh, bah, tu fais ce que tu veux. Fait, tu leur dis à elle. En fait, tu vas voir, c'est qu'en fait, moins l'autre y arrive, plus tu dois lâcher des infos, plus les autres font OK, c'est bon, c'est un objet. C'est compliqué d'y arriver. Tu peux dire à ton Valentin pareil qui vient de faire du Reiki. Ouais, grave. Focus. On va pas laisser comme ça. On embrasse Valentin Ferron, un des meilleurs monteurs de la planète. Tu fais ta promo Reiki. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que tu étais en train de changer de. Ah, c'est dur, hein. Bah oui, c'est dur, ça. Dire les choses, c'est dur. Alors, c'est un film avec George Clooney et Sandra Bullock. Bon, je sais pas. Oh non, putain. C'est compliqué. Bon, alors, nous, on l'utilise tous les matins. Un god. Allez, Jean-Marie. Oh là là. Mais quoi ? Eh ben, c'était quand même un peu rigolo. Parce que du coup, on s'y attend pas, vu qu'il est pas comme ça, normalement. Mais non, je suis pas comme ça. C'est pas mon genre de blague. Ah non, t'as pas non. Voilà, tu chuchotes des mots. Tu sais qu'il y a des micros. Replay, on va voir ce qui s'est passé. Bon, arrête, t'as pas le droit de tricher là, ça veut dire quoi ça? Ok, bon. Qu'est-ce que c'est? En plus, tu chuchotes dans un. Tous les matins. Mais attends, tout le monde va t'entendre, il y a 8 personnes derrière qui font. Bah, elle l'a dit, hein. Un coton, un démaquillant, un peigne, une brosse, un aspirateur, une serpillière pour faire le ménage. Mais oui, on est des femmes. Ah, c'est une série coton. Bah, c'est toi qui les as écrits. Succession. Ah, non, bah non. Mais non, contrairement à toi, on n'est pas des tricheurs. C'est quelque chose qu'on utilise tous les matins. Oui. Et c'est une série. Oui. Donc c'est le nom d'une série. Oui. Et faut continuer. Les Simpsons. Et c'est une couleur qu'on a toutes les trois en commun tout de suite. Orange et noir. Black. Oh. Non. Ah non, Black. Black Mirror. Il y a eu un. Il y a eu. Ok, il y a eu ça. Ok, ça a marché. Ah mais c'était cool. En fait, la carte de la rapidité, c'est une carte du jeu. C'est-à-dire que tu peux faire. Et il y a Jean-Claude dedans. Et on t'y va tirer. Les gens peuvent deviner. Oui, mais là, en l'occurrence, c'était pas sur des détails perso. Non, bah non, je pouvais pas. Ok. Bah oui. Il y a. Alors, donne pas d'infos. Donne pas d'infos. Il y a un gars avec une histoire avec un bateau. Ce gars. Il a une cousine fictionnelle. Il a une cousine fictionnelle dans un truc. Tu vois le gars? Pas du tout. Le gars qui a une histoire avec un bateau? Ah oui, bah oui! Oui, je vois, ouais, ça y est, ouais. Cette cousine fictionnelle. Ouais. Elle a un copain. Ouais. Ce copain. Ah bah oui. A joué. Est-ce que c'est un film? C'est un film? Ouais. Ok. C'est un film. Oui. Avec une biche. Ouais. Le prophète. Et voilà. Eh ben, vous avez même pas compris ce qui s'est passé. En fait, c'est quoi? C'est pour montrer que vous êtes mieux que nous? Non, c'est pour montrer qu'on est plus complices que vous, tout simplement. Mais c'est incroyable. Mais non, c'est juste qu'on est complices. Est-ce qu'on a le droit de savoir maintenant les dessous de... Alors, l'histoire avec le bateau, c'est Jonathan Cohen. Sa cousine fictionnelle, c'est Leïla Bekti. Dans Serge Le Leto. Le copain, c'est Tahar Rahim. Tahar Rahim est dans Un prophète. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a une biche. Il y a une biche dans Un prophète. Il dit, veux-tu voir un animal? Il fait, putain, t'as un prophète. C'était pour qu'il trouve le titre. Putain. J'ai envie de casser un nouveau jouet. Après, quand on est un peu trop fort, ça devient moins drôle à regarder, par contre. Gravity. Ok. Il n'y a que des films, apparemment. À Beaumont, souvent, nous croisons Ursula. Mm-hmm. Ok. Avec les amis. Tout à fait. Attends, c'est quoi, si nous décidions de vendre Ursula... Breaking Bad. Oh qu'est-ce là qu'il y a? Bang bang! Bah ouais, je m'aime bien, ouais, tu as mon respect. Mais alors, qui respect. Est Ursula? Bang bang! Ça tue. Attends, Ursula, c'est un Ursula, truc. Ursula, c'est une drogue? Non, c'est pas une drogue. Bah, ah bah oui, priori, ah d'accord, mais oui! Mais c'est terrible! Non, mais on peut garder il le jeu. Il est arrivé juste... une voilà. fois que par hasard, ma maman fasse pousser de la peau. Vous l'avez pour appelé Ursula. Pour l'artrie. Écoutez, non, mais à des fins. Médicale puisqu'elle en fait des huiles qui calment non oui, mais c'est sérieusement c'est pas ce en mode dis, un c'est code dis, c'est ce que je dis voilà donc ne dénoncez pas ma petite maman s'il vous plaît c'est vraiment s'il vous plaît de toute façon elle le fait plus c'était il y a 10 méga ans méga longtemps il y a 15 ans ouais. Quand elle avait de l'arthrite quand elle avait 28 ans mais, ouais, maintenant elle en a plus en fait ça marche tellement bien tu veux en faire d'autres bah, c'est vrai grave bah, écoute vas-y est-ce que vous kiffez ce jeu ou pas ouais ça y est ça y est. Et après, quand tu veux le faire de façon plus compliquée, après, tu switches les gens. Tu mets les gens qui ne se connaissent vraiment pas trop. Ils doivent chercher, ils sont vus que deux fois. Ils sont là. Oh, ah ouais, j'avoue, c'est chaud. Comment je vais faire ça à partir c'est compliqué. De. On s'est croisés dans un bar. Ou sinon, vous échangez avec les invités. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer tous les deux. Mais c'est ça. Voilà, ça serait genre toi et moi. Ah non, c'est les filles contre les garçons. J'avais même pas vu parce que je ne vois plus les gens. Moi, je suis tellement en 2020.
Oui, 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 ça se creuse la timbale. Avant mon spectacle, ouais. Il y a, y a un truc dans la salle. En bas ou en haut? En haut. Quand j'avais 20 ans, ouais. C'était ce truc pour moi. C'était le meilleur truc. Ok, je suis pas sûr, mais vas-y. Ce truc, on a souvent dit que ça ressemblait à un autre truc. C'était une simple copie du truc. Mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. Et donc, je dois dire ce nom propre? Ouais. Un vidéoprojecteur. Qui contient un S? Ouais. Nicky Larson. Qui contient un U? Ouais. Muse? Yes! Quelle complicité. Bah, on attendez, est tellement complices. Non, un, là, deux, c'est... trois, nous c'est irons la, au bois. C'est incroyable, on dirait que vous êtes amis. Mais racontez-nous. On est clairement amis. Quand, en fait, dans mon spectacle, avant mon spectacle, il y a de la musique dans la salle. Quand il a dit en haut, c'est parce que quand on est en coulisses, il n'y a pas de musique, mais en haut, la salle est en haut, il y a de la musique. Mm-hmm. Quand j'avais 20 ans, c'était mon truc à moi, cette musique. La musique, c'était mon truc. Et j'écoutais Muse. Et Muse, c'est une copie. Tout le monde dit que c'est une copie de Radiohead quand c'est sorti. Mm. Tout le monde a dit ça. Et en fait, non. Muse, c'est the shit. Voilà. Ok. Vous voulez faire un dernier, les filles? Ouais, Natou, bah oui. Parce que Natou, cette fois, Nath, tu peux jouer. Oui. Mais moi, j'ai vraiment j'étais tombé sur les trucs. Allez, maintenant, parce que. J'ai le droit de choisir. Bah, là, maintenant, tu choisis. J'ai le droit de choisir. C'est le dernier? Oui, c'est le dernier. Tu, alors, tu choisis prends ce celui que tu veux. Oh tous. Non? Oui, oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà. Eh bien. Vraiment, t'as dit que ça, y avait... on savait pas ce que c'était. Si, si, mais après, on m'a enlevé la boîte. C'était quoi? Oh non, c'est de la merde. Non, non, mais à ce moment-là, on m'a pris la boîte, genre, tu n'as pas le droit de jouer. Ça aurait été trop marrant qu'ils fassent deviner bref, alors que nous, on est là, c'est que c'est vraiment gaulerie. C'est pas ma faute à moi, tout ce qui s'est passé. Alizé, Alizé. Alizé. Ça n'est même pas le jeu. Tu l'as vraiment dit sur l'air. C'est mon comic relief préféré. Tu l'as dit sur l'air. Je veux que tu sois là tout le temps. Je peux pas voir, il y a un petit marron dans mon mug. Tu es nu. Je suis nu. Je crois que j'adore le personnage. Attends, qui s'ennuie, c'est qui se fait chier dans le truc là. Gâche tout. Je casse des trucs. T'es une gâcheuse. T'es une gâcheuse. Elle le mime, elle s'en fout. Non, parce qu'elle pensait qu'on était les seuls à connaître ça. Mais non, mais c'est pas ma faute à moi. En plus, c'est surtout qu'elle a dit sur l'air. Oui, je suis un personnage qui peut être de la c'est couleur pas, c'est pas du roquefort. Les schtroumpfs. Et le grand schtroumpf. Et on essaye de regarder tout. Oui. C'est pas ça le jeu. Non, mais c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est de passer par votre complicité. C'était de dire, tu te rappelles. Mais je les connais pas, ces femmes. Ah, elle a hyper mal à l'aise. Elle me suit sur Instagram. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est des figures qu'elle paye pour faire followers. Des amis. Elle fait, mais c'est marrant parce qu'en plus, ça pourrait vraiment être une situation. Genre je dans un truc, nul. Genre l'arnaqueur ouais, ou je sais ouais, pas quoi. Ouais. Là, c'est le mec qui a avec une escorte. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Et là, le jeu arrive, ils sont en le panique. Le jeu de la complicité. Est-ce genre... que vous pensez que je suis forte au loup-garou? Mmh, oui. Je pense qu'à un moment, tu dois juste montrer ta carte. Eh bien, la semaine dernière, j'ai joué pour un tournage et on m'a vraiment dit, on te garde jusqu'à la fin parce que tu n'es pas un danger. 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 Pas un danger. Ah, putain, mais oui, on appelait ça le facteur X. Voilà. En fait, on acceptait que dans le jeu, il puisse y avoir un facteur X, c'est-à-dire quelqu'un à un moment, pour aucune raison, qui dit... Mais de toute façon, moi, comme je suis Cupidon, et tout le monde fait, mais non, mais tu fais exprès, tu bluffes ou vraiment tout le monde sait qu'elle bluffe pas. On fait, bon, c'est pas grave, c'est le facteur X, maintenant on sait qui est Cupidon. Et si on continue la partie, il y a une espèce de facteur qui s'ennuie. Je signale qu'elle était loup. Non. Ah, donc en première plus, partie, j'étais la joueuse, je savais okay. qui était le loup. Personne ne m'écoutait parce que je n'ai pas de charisme. Et vraiment, John Rachid me l'a dit, ben on te attends, garde. Attends, parce laisse Navo parler. Navo, tu voulais dire quoi? Je suis en thérapie, je suis en thérapie, d'accord? Je sais pas, en avant j'écoutais pas ce que. Les amis, c'est la fin de cette émission. Ah non, ah non, ah non, tu peux plus jouer. Oh non, non. Non, 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 c'est le début de cette émission. Non, non, mais non, non, mais cassez pas tout. Enfin, c'est pas et moi. C'est la fin de l'émission sur Can FM. Est-ce qu'on peut faire gagner. Bref. C'est très marrant qu'ils fassent dans les 6-9 et tout, maintenant ils te font gagner une retraite. On te fait gagner une retraite. Anticipé. Si on t'appelle et que tu donnes le bon mot. Tu gagnes une retraite. Ah ben une retraite à 58 ans. Le une retraite à 58 ans. Quand t'auras 62 ans, tu auras vraiment une retraite. Wow. Achetez-nous un village. Achetez-nous un village. C'est ce qu'on veut, non? Bah fait, ouais. On veut pas une retraite dans un village. Un hameau. Bah c'est bon. On a une petite tradition dans cette émission, c'est de recommander une chaîne YouTube que vous kiffez. Une sorte de mise en lumière d'un talent. Ça peut être un artiste musical, vidéo, vidéaste, court-métragiste. Ce que vous voulez, un créateur, une créatrice, un collectif de créatrices. Ce que vous voulez. Natou,
Est-ce que tu veux recommander quelqu'un ? Tout à fait. Alors, écoutez, on a déjà évoqué Amy Elter tout à l'heure. Amy Elter. On l'adore. On l'a fait court-métrage de qualité. C'est une bosseuse. C'est une grosse bosseuse. J'aimerais également parler de Swann Périsset. Swann Périsset, qu'on peut retrouver dans la bande de Pierre Cross. Oui, elle a surtout sa chaîne. Elle a sa chaîne. Et j'ai beaucoup aimé son dernier court-métrage. Alors, comment il s'appelle ? Non, mais dis-le nous. Mais je l'avais il y a une seconde et tu m'as posé la question, ça s'est envolé. C'est fou, hein ? On dirait vraiment. Chambre froide. Chambre froide de Swann Périsset. Donc, allez voir ce film, il est cool. Et beaucoup de séries audio également que j'adore. Donc, j'ai écouté dernièrement L'Employé sur Spotify. Ouais. Ainsi que Queen of Snakes avec Juliette Delacroix, notre amie qu'on adore. C'était super. Avec qui vous avez fait un petit une marche d'ailleurs, une marche, on a fait un trek dans le désert contre le cancer du sein. On a marché 19 km par jour, c'est énorme. C'est rien. Quoi, c'est rien du tout. Audrey Pierrot, la chaîne d'Eleonore Coste, ouais, parce qu'il sort d'ailleurs un truc qui s'appelle Genre Humaine, là c'est la saison 2, ouais. Et qui est l'une des choses les plus intelligentes, drôles et sensibles que j'ai vues ces derniers temps, après ma chaîne, alors que tu viens de me voir. Bon, calmez-vous vraiment. Moi je suis intelligent, drôle et sensible. Pardon. Ce rire était insupportable, du coup, mi-moqueur, mais pardon. Cathy, tu veux recommander une chaîne ? Ah, moi, je ne regarde pas YouTube. Mais même un artiste que t'aimes, un musical, quelque chose que t'aimes, ou les fruits secs de l'émission, visiblement, parce que tu les as tous défoncés. C'est très bon, c'est très bon. T'as vu ça ? C'est bien. Je recommande les potibrons. Tout est bio, tout est bio. Non, écoute, non. Ok. Navo, tu vas recommander une chaîne ? No Man Osni, allez, c'est un coup. No Man Osni, avec On ira fumer du côté de chez vous. Bien sûr. Je vais fumer chez les gens. Ouais. Qu'est-ce et que c'est pas drôle. Pas que des cigarettes. Ah ouais, quoi d'autre ? Attendez, recommandez des femmes. Parce que hier, sur Twitter, YouTube a recommandé les 10 premiers YouTubeurs français. Il n'y avait que des garçons ? Que des hommes. Bah merde. Mettons un peu. Bah alors, bougez-vous un peu. Bah vas-y. Sophie-Marie Larouille. Ah bah oui, Sophie-Marie Larouille, à bientôt de te revoir. À bientôt, génial. Le podcast, à bientôt de te revoir, qui s'appelle, que j'ai eu la chance de faire, vous l'avez fait ? Oui. Tu as fait aussi. Non, moi j'ai pas osé, parce qu'il y avait une période où je refusais tout, parce que j'avais pas de confiance en moi, je me sentais nulle. C'est vrai ? Oui. T'as eu cette période ? Et ça fait très peu de temps que je me suis dit, allez, j'accepte tout, je sors de ma zone de confort, et donc je suis là, sinon je serais pas venue. Il y a 2 mois, j'aurais fait, non, je veux pas. Ah ouais, vraiment ? Oui. J'ai eu cette période, moi. C'est fou. C'est j'avais tellement peur des autres et d'être dans leur univers que des fois je refusais parce que j'avais trop peur. Mais oui, on est mieux à l'abri chez soi en jouant. Ouais, ou de faire ses propres projets qu'on maîtrise avec son propre montage et tout. Ah vache. J'ai eu ça à un moment donné, ouais. Ouais, ça m'est vite passé après. Je me remarquais que j'ai pris confiance en moi, exactement. Tu passeras bonjour à notre psy d'ailleurs. Je crois qu'il a oublié, j'ai oublié mes clés la dernière fois. Tu pourras les faire passer. Les clés de ton inconscient ? Les clés de mon inconscient. On ne part pas tant qu'on n'a pas fini. Tu t'es dit, la prochaine fois qu'il fait une blague, je vais rire fort. Non, parce que j'ai sous-entendu qu'il n'était pas sensible, intelligent. Ça m'a fait rire. Okay. J'ai trouvé ça espiègle. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup. C'est Canal+. Une chaîne. C'est parce qu'elle te rémunère en général. La famille Canal. Pour l'instant, elle me rémunère, ouais. Eh ben non, j'ai pas de chaîne à recommander. Ah bah Poulpovision. Super, non, mais en fait. Ah bah ouais, pour regarder Poulpovision. Regardez Poulpovision sur YouTube. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Et la chaîne aussi Cash Investigation, que je regarde, dans laquelle je suis abonné et que j'adore. Attends, mais tout à l'heure, tu parlais... C'est bien d'aider les petits vidéastes comme ça. Regardez la chaîne d'Audrey aussi. C'est d'un calme. Audrey, oui, elle ne poste rien. Ah ouais. Elle ne poste rien, moi, vraiment, c'est d'une zénitude. Surtout, mettez la cloche. Hein. Vraiment. J'ai une vraie chaîne qui relie le paranormal avec... Tu peux baisser les bras. Qui relie le paranormal, qui s'appelle Tistria. Tistria. Ouais. On va mettre le lien sur qui relie le paranormal. Bah avec cette émission en fait qui fait que des vidéos un peu de paranormal. Enfin c'est pas de paranormal, bon, arrêtez avec ce gros mot. Et Kian, tu parlais, tu me recommandais des TikTok tout à l'heure. Pas vrai. Mais si, t'étais complètement c'est fou. C'est toi qui m'as dit regarde TikTok. C'est génial. Et c'est vrai qu'il y avait un gars qui s'appelait Want Something, un truc comme ça, Need Something sur TikTok qui nous a bien fait rigoler. Non, mais vraiment, TikTok, c'est la découverte depuis un mois. Pour moi, j'étais arrêtée sur l'idée de, des personnes qui juste font des labiales sur des phrases ou des films cultes. Et en fait, maintenant, c'est devenu très, très créatif. En fait, les Américains sont toujours arrivés en disant « Non, nous, on va faire de la comédie, ça va être drôle. » Et bim, c'est devenu créatif. C'est vraiment très intéressant. On pourrait faire la même chose sur Instagram, c'est ça que je comprends pas. Est-ce que TikTok... vous allez aller voir un YouTuber dans l'avion ? Y a-t-il un YouTuber dans l'avion ? Quoi ? J'ai pas compris. C'est quoi ça ? Un film ? Un film des Américains, des États-Unis d'Amérique. Bah, y a-t-il un YouTuber dans l'avion à partir de ça là ? Ça va vraiment sortir ? Yes. Non, c'est fait par le plus gros là. C'est pas. Non mais. C'est un peu grossophobe ça. Ouais, c'est vrai que c'était pas sympa. Celui qui était qui a filmé un cadavre. Ah
Logan Paul. Qu'on salue, qui d'accord. regarde. Voilà. Qui est devenu celui qui a filmé un cadavre maintenant quand on, ouais. a, quand ouais. on doit le décrire, ce qui est très triste. C'est, on a fait le jeu de la complicité. Ouais. Mais pyramide, de, en trois. On était tous amis là. Filmé, cadavre, oh, Logan Paul. C'est très triste. Et donc, voilà. Et ça m'a fait penser, du coup, je conseille Myst, parce que ça, tu as bien aimé. Ah. Puisque d'un côté... génial. En gros, il raconte une histoire, et t'as d'un côté le mec qui la ramène en mode scientifique, et de l'autre côté, le mec qui la raconte... Ah, ça me fait penser au Amazon Prime, le programme True Story qui sera disponible en 2020. C'est génial, où est-ce qu'on peut trouver ça? Amazon Prime, la plateforme. On s'abonne tout simplement. Ok. Il faut envoyer un courrier. Mérite d'être très clair. Il faut envoyer un courrier. En fait, c'est à la fin des programmes télé. C'est un truc que tu dois découper. Tu remplis avec ton adresse, tu envoies par courrier. Et là, ça, t'es abonné. Mais c'est chiant parce que moi, je collectionne les magazines. Après, ils sont tous découpés. Tu reçois la vidéo. Tu dois envoyer ta carte bleue. Ils te la renvoient une semaine après. C'est un peu contraignant, mais ça vaut le coup. C'est vrai, c'est un peu contraignant. Mais si tu veux, envoie-la moi à moi et moi, je le fais pour toi. Oui, moi, c'est gentil, après, merci. Tu me l'envoies à moi et je l'enverrai. Ok, d'accord. Je la renverrai à toi. Non, tu la laisses chez l'autopsie. Chez l'autopsie, tu la laisses. Chez l'autopsie, j'ai compris. Pendant l'autopsie, tu la laisses. Les amis, est-ce que vous avez passé un bon moment? Oh oui. J'ai acheté des fruits. Mais on rigole bien sûr qu'on a passé un bon moment. Ça fait plaisir. C'est le plus important. Moi, ça a remué des souvenirs très douloureux. Mais non, mais tu sais que je pensais pas que ça allait partir comme ça au début. Incroyable. Mais non, on est parti dans la drama d'enfant, ouais. Et c'était incroyable. Quoi. Oui, parce que moi, à la base, je devais juste amener Audrey avec les grèves, hein, parce que voilà. Et donc, Kian m'a appelé hier et me dit mais participe. Je lui dis bon, je suis pas certaine. Il me dit mais si tu vas voir, c'est hyper on rigolo. C'est vrai qu'on a ri. Mais non, on a bien rigolé. Et surtout, ouais, les anecdotes qui fendaient le cœur, ça, je pense que ça... Mais c'est des belles leçons de vie, en fait. Ouais. Moi, je crois que c'est une... Je comprends pourquoi on est tous en thérapie aujourd'hui. C'est une de mes émissions préférées, peut-être même la préférée. Ouais, c'était cool, hein. Ouais. C'était kiffant. Oh, tu dis ça pour nous flatter. Non, parce qu'il était du côté de la cruauté, il avait vu que des victimes souffrir. Il s'est dit, ah, alors c'est ça le résultat 20 ans après. Dans ma tête, je me dis, j'ai créé tellement d'artistes. Merci à vous, les amis, à très très bientôt. Merci. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange pendant l'émission. C'est normal, il y avait des esprits. Et non, il y avait une énigme qui s'est dissimulée dans toute l'émission. Si vous la résolvez... Pardon ? Mais oui. Attendez. Attends, qu'est-ce que tu racontes ? Tu nous as manipulés pour un jeu ? On ne peut pas dire où c'est. On ne peut pas dire, je pourrais vous en parler en off, mais je ne peux pas vous en parler en in. Incroyable. Si vous résolvez cette énigme, vous allez arriver elle sur est un dans le potimarron. Site internet dans le pied de mon manito cassé. Vous obtiendrez l'adresse d'un site internet qui nous mènera à nous et il y aura plein de choses à gagner. Donc, non mais attends, on veut jouer. À revoir. Mais eh ben, vous regarderez l'émission. Regarderez l'émission et puis tu pourras jouer. Mais c'est-à-dire, c'est on incruste. Non mais il faut le dire en fait. Est-ce qu'on va avoir des lettres collées sur le front? Je suis un puppet master. Oui, donc. Donnez un indice au hasard pour les gens. Ah ouais, ouais. Dites un indice au hasard pour les gens. Ah, je vais dire un chaudron. Chaudron. Et voilà, c'est l'indice de Natou. C'est le dernier indice. Sans celui-là, vous ne pourrez pas résoudre l'énigme. Prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine et abonnez-vous si ça vous a plu. Activez la cloche. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tout le monde le fait. Alors je décide de le faire. C'est que ça te met la notification. Oui, quand mais tu... c'est pareil. De toute façon, les gens ils traînent sur YouTube. S'ils veulent regarder des trucs, ils regardent. Il est tellement à la pointe de la technologie. Il regarde des TikTok. Prenez soin de vous. Nous, on vous laisse. On va partir. Moi, je pars en concert. Show. Et là, maintenant, il faut nous faire disparaître. Hein. Pouf, attention. Voilà. Voilà. Et voilà. Bisous. J'ai pas dit au revoir. Tu l'as dit tout à l'heure. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, plein de choses, une émission par semaine, des vidéos, des extras, des making-of, du stand-up, des sketchs, n'hésitez pas. C'est un peu mon fourre-tout. J'ai envie d'exprimer toutes mes idées à travers cette chaîne. Et cette chaîne est totalement gratuite. Donc, abusez-en, abonnez-vous. C'est pour faire de rigoler des gens.